Pardon. Et bienvenue sur le premier stream que je vais faire le lundi maintenant sur Nier Automata. Donc je suis Emmanuelle et donc je vais streamer longtemps sur des jeux que j'aime déjà et sur plein de jeux. Donc aujourd'hui c'est Nier Automata. Donc je stream avec l'équipe d'Hyperlink Radio VL qui m'ont accueilli. Donc c'est mon premier jour. Donc soyez gentils. Sinon mais je vous proute direct. Et donc on commence avec du Nier Automata que j'ai lancé, mais qui est en anglais, donc je vais corriger ça pour le mettre en japonais. Voilà. Bonjour Pico. Bonjour Kirikomori. Que je vais réussir à dire. Ouais, bonjour Kino. Comment ça va? On veut les jeux que tu aimes. Ouais, j'adore Omega Quintet parce qu'il y a des filles avec des jolies tenues comme dans Sailor Moon. J'adore Barbie parce qu'elle conduit une voiture rose. Donc ouais, vous inquiétez pas, je vais faire ça. Bien. Donc non, c'est cool de vous voir, les gens. Et
Et donc on va s'amuser. Mais là, le jeu, il faut que je joue maintenant. Donc je vais devoir arrêter de vous lire. Je suis désolée. Alors. Ah oui. Pourquoi ce stream est pour toi? Le Nier Automata, c'est le bonheur. Pour voir que l'icône de droite. Ok. Je découvre. Alors. J'ai fait que le niveau de la démo. Je l'ai fait dans la démo et je l'ai fait maintenant avec le jeu. Donc on va prendre en fait ce démarrage là. C'est tout. Et donc je sais pas du tout ce qui se passe. Je l'ai pas ouvert. J'avais ce jeu sur ma table comme ça là pendant 2 semaines à le regarder en pleurant. Bon, j'avais Zelda, hein, c'est pas très très grave. J'avais Nioh, ça va. Mais bon, j'ai pas pu l'ouvrir, donc je vais le découvrir avec vous. Voilà. Niveau des voix, non, bah, tout ça va bien. Vraiment, il m'apprend à me servir des paramètres de jeu. C'est cool. Ok. Mais je veux jouer, moi. Je m'en moque de ça. Oui. On veut voir le jeu, on s'en fout des gens. D'accord. Tu vas tellement kiffer. J'ai tellement hâte de le faire. Mais c'est trop dur de faire 2 choses en même temps. Enfin si, je peux et vous lire et manger des crocodiles. J'entends Lucille Hormoon et meuf en jolie tenue. C'est que des meufs qui pètent des gueules, c'est pour Kiri. Ouais, c'est vraiment bien. Amoktne. Emma, bonjour. Bonjour à Moktne. Oui, Omega Quintet, c'est 4 filles qui ont chacune une couleur. Les 4 couleurs primaires, comme vous pouvez le savoir, avec le... Comment il s'appelait ce monsieur? Bruno Vandelli. Les 4 couleurs primaires. Alors, on va peut-être jouer quand même un jour. Oui, c'est bon. Mais je voudrais que tu sois en japonais, par contre. Self-destruct permissions are missing. Wait a second, we need your soldiers. Pico, c'est pas très sympa, hein, d'abord. Il faudrait mettre le logiciel de Mac qui le lit avec une voix très sensuelle. Ce serait parfait. Autodestruction. Je sais pas ce que c'est. Kino, c'est quoi? Parce que je sais que t'as tout fait dans le jeu. Il faut que je fasse avec ou sans? Pour que ce soit plus le rigolo ou pas. En fait, je regarde la caméra, le jeu et vous. Alors ça fait un peu un triangle incroyable. Les Illuminati sont partout. Lol, mais avec. D'accord. Ah, j'ai plus de chat. Ok. J'ai plus de chat. Ah, j'ai du chat maintenant. Langue. Ah non, je peux pas changer, pourquoi? Je crois que c'est à cause de la localisation. Ok, bon bah, ça sera en anglais. Prends l'autodestruction. Ça peut être trop bien. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'aurais pas dû faire ça. Tu dois restart pour changer? Oh, bon bah tant pis. Ça sera en anglais pour aujourd'hui. Oh, on a des petits bots. Oh, ils sont trop mignons. Faut lui donner un petit nom. Il va s'appeler Petit Proucroute. Petit Plop Plop. Plop Plop. We 9S models are the best around, you know. Destruction. Bonjour, Zer Horace. Question con sur Safari. Y a pas moyen d'avoir un full screen et le chat à droite ou à gauche? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Ouais, j'essaierai de changer. There's no need to be so formal. All right, if you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, man. To be. En plus, en japonais, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que elle s'appelle donc 2B, mais avec leur accent japonais, ça fait 2B, et c'est rigolo, quand même. Plus que juste To Be, parce que moi j'ai envie de chanter genre les chansons To Be Free et c'est un peu gênant pour faire ce jeu après. Oh, des icônes que je connais pas. Oh, c'est joli. Non. Il faut... acheter... Non, bah non, bah je... Non. Oh, c'est joli.
Donc on est sur un vaisseau spatial qui regarde la Terre des loin. Ça c'est la Terre. Elle est grise. Pourquoi t'as déjà de l'argent? Mais... Oui mais je veux pas le dépenser. Parce que je suis sûre qu'il y a un trophée genre avoir 100 000 argent sur soi ou 12 000 ou 12 millions sûrement. Donc on va pas dépenser l'argent tout de suite. Ouais, le dash il est incroyable. Et je crois qu'elle court de plus en plus vite, plus je dash. C'est plus tu tiens appuyé. Plus je tiens appuyé. Oh mon dieu. Mais j'ai envie de regarder toutes les portes. On peut regarder toutes les portes? Oui. Ah. Alors on va essayer de comprendre les icônes. Là il y a un, ça c'est le truc de Berserk. Pourquoi il est là? Je ne sais pas. Ok. Tu joues une teubée. Eh ouais. C'est... Ouh. Je vais voler votre argent et je vais vous parler après. J'étais en train de parler de la faune et de la flore que j'observais sur la Terre. Les opératrices semblent apprécier ce genre d'informations. J'envie tellement nos escouades si je pouvais, j'irais directement collecter des données sur le terrain. Je l'emmènerais volontiers avec nous si seulement j'en avais la permission. Pourquoi c'est si compliqué? La madame, elle est toute nue. Alors, j'appuie sur croix pour faire des actions parce que ce matin, j'ai beaucoup joué à Final Fantasy XV et il faut appuyer sur croix pour faire des actions. Donc, je vais me réhabituer, mais ça va aller de mieux en mieux. Oui, là, je saute parce que je me suis trompée. Sous sa tête, il y a la minimap. Sous sa tête. Donc j'imagine que le rouge, c'est l'endroit où il faut aller. Allez! C'est joli! On dirait le vaisseau de demi du ciel de l'espace. Qui est tout en rondeur. En même temps, je joue à Zelda Oracle of Season en ce moment. J'ai chopé la plume. Laisse tomber! Tu pétonnes! Mais c'est trop bien de sauter tout le temps. En plus, des fois, tu vas plus vite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Est-ce que c'est mon bot? Est-ce que c'est le monsieur qui est à côté? Ah oui, d'accord, ok. On va le faire agressif. Voilà. Non, je sais pas ce que j'ai fait. C'est joli! Presque réussi à avoir ses culottes. Parce que sauvegarde tout le temps, il n'y a pas de save auto. Ah, c'est lié à ton allié. Ok, d'accord. Et pour sauvegarder, j'imagine que je fais ça. Et que je sauvegarde rapidement. Merci, Kino. Ok, ça c'est joli. On peut parler à tout le monde. Bon, on va éviter de parler à la bureaucrate là qui traîne. C'est nul. Le commandant, qui est donc... Qui n'a pas de culotte. Yes, commander. Elle a pas de culotte. Your black box in order to defeat the enemy. Bold. Je suis désolée, je suis obsédée par ça, mais c'est parce que le Japon, tout simplement. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. Quand est-ce qu'on tue des gens? Je sais pas. Peut-être bientôt. Kino dit bientôt, ça veut dire que oui, il y a bientôt. C'est pour créer de la gravité artificielle que c'est en rond, force, centripète et tout ça. Ah, la force centiproute, d'accord. Ah bah voilà, je vous ai lu, j'ai pas écouté ce qu'elle a dit là, madame. Bah je vais devoir lui reparler, hein. Pourquoi on n'a pas les voix en japonais? Bah j'ai pas réussi à les mettre en japonais et d'après ce que j'ai compris, il faut rebooter le jeu. Pour mettre en japonais. Donc, j'aimerais beaucoup essayer. Ah, on va essayer. Peut-être que. Non, je sais pas. Modifiable en début de partie uniquement. Voilà! Non, mais y a rien, je voulais pas te parler, j'ai fait un peu. Surface? That means we'll be getting flight units, huh?
Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce. C'est quoi ces trucs noirs là? C'est des grosses poubelles? Ah non, c'est des sauvegardes. Pète des gueules en anglais. Bah, on n'a pas le choix. Hein. Après, je peux faire des imitations de japonais, mais je sais pas faire ça. On parle de Sugoi Oishi desu ne. Ah, voilà, c'est tout. Ça veut, voilà. Donc, si vous voulez entendre ça en boucle, c'est tout ce que je peux faire. Je suis où? Des gens partout. Oh, c'est joli! C'est des toilettes pour faire caca dans l'espace. Mais c'est un robot! Elle fait caca rien! De toute façon, c'est une fille. Ouh, on a un vaisseau blanc parce qu'on est le capitaine! Wow, wow, wow! Ça me donne tellement envie de jouer à Jamestown Plus qui était trop bien! Oui! Les mechas ils sont trop bien! Oh, c'est joli! J'imagine que les grosses boulettes de pensée, on peut pas les éviter. Comment c'est beau! Ah non! Je me suis fait toucher! N'importe quoi. On a toujours les la vie qui est je sais plus où d'ailleurs. Ah je suis morte. C'est ma première mort. Encore des frappes, plus de morts. Oh le bullet L2. Ouais, ça c'est vrai. J'ai presque envie de pas regarder pour découvrir. Ah ouais. Si tu meurs, tu auras l'occasion de mettre les voix en japonais. C'était pour ça en fait que je suis morte. Voilà. Donc je peux pas. Et là, je peux ou pas les mettre en japonais? Non, tu m'as menti. Ok. C'est tellement joli. Oh, le Japon quoi. Mais arrête de faire n'importe quoi. Et ouais, je fais tout le tour. Oui. Ah, je l'avais pas vu. Est-ce que je vais mourir en boucle? Bêtement? Ouais, complètement même.
comment on fait pour follow sur Twitch. T'appuies sur le joli cœur. Je crois que j'ai follow, mais je suis pas sûre. Oh, le beau Pico trace sa route. Merci Pico d'être follow. Donc tu as réussi. Bravo. Donc en fait tout ce qu'on avait dans la démo on l'a plus. Pico qui follow la chaîne où il chronique depuis 2 mois. Ça c'est un peu vrai. Il n'y a pas de cadeau. Très bien. En tout cas, ça a permis à Emma de gagner la partie. J'aime beaucoup le katana volant. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Moi, j'aimerais bien voir ça. Ce serait un peu effrayant dans le métro, mais pourquoi pas. Oh mon dieu, il y a un trophée. Ah oui, alors, il faut savoir un truc. J'adore les trophées. J'adore ça. Donc, plus il y en a, plus je suis contente. Et dans ce jeu, il y en a une soixantaine, j'ai l'impression, qui sont bien en plus en mode caché. Donc ça va être vachement bien. Je vais passer beaucoup de temps à jouer, je pense. Ah merde, je crois que j'ai complètement oublié ce coffre. Ah, il y a un truc important dedans qui ne peut revenir choper. Et maman, la chasseuse de trapeau. Oui, bah oui. Ouais. D'ailleurs, Pico, j'ai platiné Final Fantasy XV ce matin. Et bah, c'était de la pêche, c'était cool. J'ai bien pêché. Comme c'est joli. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh, comment c'est trop beau. Oh. C'est génial. Je peux pas me soigner. Je suis désolée pour cette vue un peu grisée. J'ai l'impression que... Oh. Donc un élan ça tue. T'as un méca et il y a un élan et il te tue. D'accord. Si tu maintiens le saut, tu planes. Ouais. Je sens que ça va être salé ce que je vais lire bientôt. Mais bon. Faut prendre moins d'élan. Les jeux de mots qui sont rigolos. Ah, fallait appuyer sur croix, pardon. Bah, moi, je pensais qu'on pouvait le monter, tu vois, comme dans Zelda. T'approches, tu sautes dessus, tu lui fais un petit câlin sur le côté, et puis voilà, et puis ça devient ton copain. Et l'élan, il m'a juste mis foncé dessus, quoi. Ah bah c'est très bien, j'ai toute ma vie comme ça. Ah oui, mais on se refait ça, d'accord. Et la muse qu'il a écrit. Oui, oui, il a écrit. Il a écrit ça. Oui, c'est aussi, j'ai fait exprès de mourir pour qu'on ait de la couleur. Donc là je vais en boucle en fait. Voilà. Oh, c'est si mignon. Alors on va peut-être pas les tuer tout de suite vu qu'il m'a bien marave. Oui, j'écris beaucoup, hein. Je regarde avec une bouteille de blanc. Merci Mama pour la couleur et ton sacrifice. De rien. Mais de rien.
Mais ça vaut 27 000 euros par contre, j'attends. Maintenant. Tout de suite, beaucoup d'argent. Parce que je me suis tuée pour vous. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. C'est tellement beau. It's pretty weird. Ah, y a des trucs par terre. Donc la nature a repris son droit. Très bien. Il y a beaucoup de jeux comme ça en ce moment, dis donc. Entre... Alors Horizon. Tiens, parlons d'Horizon. Tout le monde aime ce jeu? Vraiment? Beaucoup? Je vais vous lire le chat parce que ça m'intrigue quand même. Horizon, vous en pensez quoi? Découpe des trucs avec le katana. Découpe des trucs! Ok. Je vais découper des trucs, c'est promis. Oui, on aime Horizon. Bah, tu dis ça parce que t'as joué 2 heures. Oh, déjà! Parce que c'est très joli, mais... C'est un joli Far Cry, quoi. J'arrive pas à me mettre dedans. Moi, j'aime pas. Oui, on aime. Oui, moi, je veux y jouer et tuer des trucs gros. Horizon, c'est bien. C'est très bien. J'avoue, faut trouver des choses à découper. Oui, tu l'as fini, toi, Kino, le Horizon. Oh, regardez sa tête. Oh. Comme c'est mignon. Alors. Il y a des gens partout. Ça, c'est Madame la Quête. Ou. Il y a un jukebox. On va mettre de la musique. Une nouvelle tête. Tu devrais aller voir la chef en premier. Oui, bon, d'accord. Okay. Je pourrais pas mettre... Ouh. Et nul, nul bof. On dirait un village de Monster Hunter sur PSP. C'est pas vrai. C'est plus joli. C'est beaucoup plus joli. Cette résidence étrange m'attire sexuellement. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Elle a une grosse tête ronde avec... Non. Ah là là, j'ai pas fini 20th Century Boy. Je crois que je suis au tome 8, 7 ou 8, je sais plus. Qu'est-ce que c'est bien. Bah j'ai pas écouté encore ce qu'elle a dit. Récupérer des infos auprès de... Heureusement qu'on a des marqueurs. Alors toi tu fais quoi toi? Tu fais de la poterie? C'est très joli ce que tu fais. Bien sûr, pas besoin de plus de 3 personnes pour modéliser un village, les gars. C'est pas vrai. Et comment il s'appelle ce manga avec le professeur qui a la tête de Smiley là, et qui apprend à sa classe à tuer? Et le professeur il s'appelle... Parce qu'il a aussi la tête de ça et donc je pensais plus à ça quand tu disais l'excitation vu qu'il a beaucoup de tentacules et que le Japon. Mais pourquoi pas Century Boy, en effet. Elle est cool la musique. Assassination Classroom. Ah bah oui, hein. Tu devrais suivre l'histoire un minimum, elle vaut vraiment le coup. Oui, mais c'est compliqué, Kino. Je te jure. Alors, ok oui, chaque article est ici et fabriqué artisanalement à partir de pièces abandonnées et de butins récupérés sur des cadavres de vos ennemis. Oui, bon, c'est très bien. Pardon, Raphaël, qu'est-ce qu'il vous faut? Ah bah des trucs. Des soins. Oh oui, il me faudrait des soins parce que je fonce dans le tas. On va en prendre 1000. À donner un animal afin de le chevaucher. Oui. Qu'est-ce que c'est? Dégâts subis des attaques à distance régionale. Ça c'est quoi? Ça c'est des... C'est des trucs que tu rajoutes sur toi, sur ton bot, c'est des pilules. Ouais, des puces. Ah ok, d'accord. Donc ça, c'est des trucs que tu utilises avec ce vin. Ça, c'est des minerais. Et ça, c'est ce qui est des puces. Ok. Ah bon, c'est pas... Non, tout à fait. Ah bon, c'est pas facile.
Vous vendez des plus des bidules qui savent augmenter votre puissance. J'en ai pas. J'ai passé un rayon, désolé. J'adorerais vendre des puces de fonctionnalités, c'est juste que je ne dispose pas de pièces nécessaires. Par contre, si on pouvait me fournir ces pièces, je pense qu'il y aurait un moyen de moyer. Mais, en attendant, tiens, j'ai une idée et si. Oui. Faisons du FedEx pour monsieur. Vous préparez. Pour réparer votre projet, vous ne faites comment avec le fils de. C'est moi, hélas. Mec, les gars. Le gars est juste un vieux crevard qui construit des merdes à base de conneries et comme d'hab, il les vend super cher alors que tu sauves le monde. Des potions de buff. Ah ok. D'ailleurs PS, t'es trop mimi Emma. Ça fait plaisir de voir un Twitch pas présenté par un gros porc. Mais dis donc Pico, faut pas dire ça parce que tu es grand. Déjà, pas gros, mais grand. Et si on devait te comparer à un animal, ce serait... un énorme teddy bear, c'est pas mal ça. Qui fait beaucoup de sport, beaucoup hein. Okay. T'as beaucoup de muscles, très comme ça. Voilà. Non mais j'ai compris que tu voulais que je te ramène des trucs et c'est une quête annexe, très bien. Très bien. Votre mission a été mise à jour. Vous pouvez vérifier son état d'avancement dans les quêtes du système. Très bien. Ah oui, l'expérience. Très cher Kino, tu m'en avais parlé qu'il y avait un truc un peu tordu qui fait que si je veux accéder à mon expérience ou augmenter mes niveaux, il y aura un truc à faire. Tu m'avais dit que c'était un peu croix. Rond. Je vends des armes si ça vous intéresse. Ah oui. Quel genre d'armes? En fait, je restaure et je répare des reliques du vieux monde. Genre des mugs avec marqué genre New York. On peut se battre avec ça. Juste meurs pas. Ah bah c'est gentil Kina. Ça va être compliqué ça. Mourir dans un jeu vidéo, quelle idée? Ça ne m'arrive jamais. Ok. Je peux regarder vos armes? Comme vous en dites sûrement, les réparations délicates, c'est pas mon truc. Qu'il se débat. Bah non, on va l'aider, j'imagine. On dirait que l'appareil de réparation a un court-circuit, chercheur. Des gadgets complexes. Dans la cité en ruine, je me rends compte aussi que l'endroit grouille de machines hyper agressives. Oh, moi, je les démonte, moi. Moi, je me les fais. N'importe quoi, les mecs de Dark Souls 1. Non, regarde, lui au moins il te dit. Oh, il y a des arcs-en-ciel, regardez. Oh, comment c'est beau. Quoi? Oh, je veux pas regarder ta culotte, je veux regarder l'arc. Là, il y a un plan. Regardez, plan culotte. Je suis désolée. Moi, j'aime bien les jeux vidéo avec des meufs qui cassent des culs. Et j'aime encore plus les jeux vidéo avec des meufs qui jouent des meufs qui cassent des culs. L'inception des meufs qui cassent du cul. Il y a beaucoup meufs et cul quand même dans cette phrase. Ah, tu es du groupe Yora. Ok. Ainsi, cette chose sur ma tête t'intrigue. En effet. Cette chose qui donc est sexuelle pour certaines personnes. C'est un chapeau qui bloque les ondes électromagnétiques. Il m'aide. On dirait les enfants qui font des chapeaux avec de l'aluminium pour pas que les extraterrestres prennent leurs idées. Comme dans Signe. Ah, je faisais des blagues. Même dans le jeu vidéo, le troisième degré, je le comprends pas. Comment faire une sauvegarde? Ça, on a compris. Un point d'accès, c'est quoi? Ça, je te devrais quand même. Je fais quoi si je meurs? Ça, c'est une très bonne question. Lorsqu'un Yora meurt, ses données sont immédiatement transférées dans un nouveau corps. Par contre, tes possessions ne sont pas transférables. Il faudra donc aller les récupérer. Ok. Donc tu perds ton loot. Si tu meurs à nouveau avant de pouvoir les récupérer. Oui, d'accord, ok. Donc c'est comme les armes dans Dark Souls ou l'Amrita dans Nioh. Très bien. Qu'est-ce que tu veux du coup? La caméra me donne la nausée. Non, le jeu est trop difficile. Besoin de rien.
besoin de rien. Pardon. Pardon. Il faut tellement plus de meufs qui carrière. Oui. Donc je milite pour tester Oni Shambara Samurai. Je connais pas. Elle est uber kawaii. Vous trouvez que c'est kawaii? Très bien. Mon dieu, on dirait juste une semi-quid. C'est dégoûtant. Alors. Alors, les quêtes. Quête. Quête active. Alors, la demande du marchand des fournitures. Ou la requête des marchands d'armes. On fait laquelle? On fait la demande du marchand de fournitures ou on fait la requête des marchands d'armes? Je vous écoute. Mais c'est quoi One Shamba? Je ne connais pas. Mais oui, c'est creepy, kawaii. Moi, je me demande la tête qu'elle a en dessous. Les deux. Oui, mais je fais laquelle? Dans quel ordre? Ou je peux faire les deux en même temps? Je peux activer les deux? Confirmé. Ok, bon. Eh bah, faisons tout, alors. Oh! C'est des boîtes... Oh! Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Bon, bah allons tataner la nature un peu. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get. Ah, le monde abrite des points d'accès astucieusement camouflés que vous pouvez utiliser pour récupérer des données topo, activer une zone de sauvegarde. Cela vous permet de sauvegarder la partie dans le menu système tant que vous restez à proximité du point d'accès. Si un point d'accès est attaqué par des ennemis, éliminez-les pour réactiver le terminal. Très bien. Ah, tu peux prendre les deux. Oui, je viens de voir ça, c'est vrai. Alors, carte. Je suis la carte. Ok, et ben on va aller la salle de gauche. This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. On peut couper les arbres? Non. Il y a des trucs par terre. Operator 60 to 2B. C'est l'heure de notre contact régulier. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might be. Ouh, ils sont trop mignons. Feeling nice has no bearing on. Je me suis trompé de bouton. That is so like you to be. Anyway, talk to you later. Ah ouais. Ah mais lui aussi il est tabasse en fait. Ah, d'où le agressif, pas agressif. Très bien. Très bien. Alors. Le design me rappelle tellement les jumeaux cinglés de Black Lagoon. Okay. Putain, mais tellement. J'avoue. C'est vrai? C'est vrai. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? Non, il attaque un truc de sauvegarde. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah. C'est le tour du Canet. Oh. Est-ce qu'il faut tout le temps sauvegarder? Je pense que tu peux déjà regarder dans ton inventaire pour changer d'arme. Alors. Ah mon dieu, tu peux réellement savoir combien. Donc ça c'est ce que j'ai, très bien. Et ça? Bah non, j'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes. Toutes les armes?
Ouais, j'ai pas d'armes. Elle a un katana, pourquoi elle changerait tout? Ok, donc on a fait le premier point rouge. Nous allons aller au deuxième point rouge. En dash. Et en sautant. Parce que c'est trop bien de sauter. Oui, oui. Un katana flottant. Ouais, en fait, je... De toute façon, c'est une Madame Robot, donc j'imagine qu'il y a des aimants partout. Donc peut-être que c'est aimanté. Qui sait? Mais... le jeu, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas de me montrer une grosse porte ouverte où je peux passer. Et en fait, non. Très bien. On m'oblige à faire le tour. Je peux passer là? Bah non. La meuf dash et saute comme un labrador. Oh les labradors. T'attaques quoi? Il y a un finish move, non, sur les... De temps en temps, j'ai l'impression de voir ouais. Commencer à pêcher. Un problème? Non, j'ai juste que je... Non, 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 mais je pouvais pêcher. Ça veut dire quoi, ça? Dans l'eau. Hein? Oh, l'eau est jolie. Ah d'accord, il voulait absolument faire passer par ici parce que... Oh, il a une hache! I'm picking up hostile machine life forms. Vers le bas, non? Non, vers le bas. Ah non, je suis trop tard! C'était trop bien! Le mur invisible, c'est un peu Tomb Raider 2 dans l'idée. Ça fait pas très 2017. Bah non! Ça, c'est vrai. J'ai pas lu la quête qu'il fallait faire. D'accord. Alors. Des matériaux. Pour pêcher, tu maintiens rond près de l'eau. Très bien. Ton copain, il déconne pas trop. Non, je l'ai mis en mode agressif. C'est vrai. Je vais pas le mettre en mode genre je regarde et je boude quoi. Ce serait un peu bête. Mais il m'en manque un. Ah là. Oui. Est-ce qu'il y a un système de... TP rapide ou pas dans ce jeu? Non. Carte. Non. Agrandir la nana, pivoter, se déplacer, repérer. Non. Bon. Let's get these back to the trader. Donc on va pouvoir juste courir très. Ah oui. Passer par là, parce que sinon je pourrais pas sortir. Les bassins sont très agréables. Et en fait. La prise en main de la manette avec le jeu est super agréable. C'est-à-dire que tu peux utiliser tous tes doigts en même temps. Voilà. Oh. Comment on pêche? Oh, c'est ton bot qui pêche. C'est trop mignon. Oh, c'est génial. C'est pas très pratique pour le pêcher, mais oh oh. Mais il fuit tout le monde, mon copain. J'ai même pas le temps de. Oui, j'ai dit qu'on pouvait utiliser tous ses doigts, mais pour par rapport à la manette, hein. Attention. Du village. Hop. Ah, on va avoir des armes, ça va être trop bien, des vraies armes.
Heureusement que j'étais partie faire pipi parce que ta vanne, wow, jolie. Un petit moment. D'accord. C'est à dire quoi un petit moment? Maintenant? Croasso. Tu peux pas juste chiller dans le village et parler avec les PNJ, savoir pourquoi ils font ça. D'accord. Alors, récompense de quête. Un mat de ferraille. Super. De l'argent. Un petit test. Allez, vas-y. Je vais faire ça. C'est quoi ça? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oui! Elle fait plus mal quand même. Est-ce que je l'améliore, mon arme? Ou j'en achète une autre? Comment ça va, l'école? Et après, je demande des nouvelles du chien pour savoir si tout va bien. Je crois que je vais améliorer mon arme. Parce que. Ça fait quand même vachement plus mal. Mais... Allez. Hihi. Les deux. Faut acheter d'autres armes. Ok. Oh! Comment c'est trop joli! Oh là là, je prends laquelle? C'est elle que je voudrais, mais forcément, j'ai pas d'argent. Et ça, c'est quoi? Le roi des animaux ou l'épée? L'épée. Monarque. Épée. Ah, je veux elle, je crois. Elle fait tellement mal aussi. Allez. J'ai plus d'argent. Oui. Alors. Je voudrais voir mes armes maintenant. Va fermer du fric sinon. Ouais. Je pense qu'on va devoir s'il reste plus que 500. 500. C'est quoi la monnaie d'ailleurs? Comment elle s'appelle? 500. 500. Croûte? Bon, j'ai compris qu'il fallait que je te ramène des trucs. Alors, oh, vous avez vu, j'ai eu un trophée, non? Je suis émue. Ouh. Hop. Hop. Équipé. Ouais. Oh, elle est gigantesque. C'est tellement bien. Je suis contente quand même, elle lève les bras, c'est sec. Putain, j'aurais... fait ça, ça aurait été tranquille avec cette... Ah attends, mais il y a eu deux phrases qui se sont mélangées parce qu'il y a deux choses qui sont montées. Ça aurait été la mer rouge. Ouais d'accord, j'ai juste envie de me caler tranquille avec cette musique. C'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Vous avez trouvé des pièces? Oui! Je vais pouvoir améliorer et fabriquer de nouveaux objets pour vous. Vous allez peut-être pouvoir utiliser certaines de ces pièces pour réparer votre jambe. Mais qu'est-ce qu'elle a ma jambe? Très bien aux jambes. Culotte. Bon, dites-nous vraiment ce qui se passe. En fait, c'est ma jambe. Ah, c'est sa jambe à lui. Faut vraiment que j'arrive à lire. Toute la musique du jeu est globalement exceptionnelle. En fait, c'est ma jambe gauche qui est fichue. Ma jambe gauche. C'est l'original. Je vais faire avec. Ok, t'as besoin d'une jambe en fait, tout simplement. Mais cette jambe, ma jambe gauche, je n'y ai jamais touché. Alors, si je la remplace, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui resterait de moi? C'est vrai que... remplacer des bouts de soie par des bouts de ferraille, au bout d'un moment, tu dois te dire que tu n'existes plus trop. Oh! De l'argent! Et voilà. J'ai plein d'argent maintenant. Regarde sous sa jupe. Mais non, mais elle va me donner un coup. Oh! Bah voilà. Et genre c'est pas possible de faire des gros plans sur sa jupe. Elle aime pas ça en tout cas. À qui j'ai pas parlé ici? Tiens monsieur les yeux bleus.
Bonjour, en fait je viens juste d'être affectée ici, désolée je ne peux pas trop vous aider concernant ce qui se passe. Super. Bonjour, c'est la première fois qu'on se voit, non désolée mes circuits mais... Ah mais vous êtes tous des robots, c'est pas possible. Je préfère, on sait jamais. Alors. Ouh. Salut. Même si vous me dites qu'une seule phrase, ça va pas le faire. C'est quoi ça? Des cadeaux. J'aurais besoin d'un petit service. On me signale de plus en plus souvent que des machines dangereuses rôdent dans le désert. Tout à fait inhabituel et j'en conclus donc qu'il se prépare peut-être quelque chose. Alors, il paraît que le groupe de Yoa est particulièrement efficace pour ce genre de mission. Alors vous pourriez aller jeter un coup d'œil sur place. Mais bien sûr, elle s'appelle Anémone. Oui, Anémone. Oui, je ferai attention. C'est parti. C'est parti, mais il faut que j'active la quête. La carte. Ah oui, d'accord, c'est loin. On va voyager. Pico le débutant dans les streams, bien sûr, oui. Bien sûr. Alors ça c'est donc l'icône pour les armes, ça c'est l'icône pour le magasin. Bonjour madame. Oh oui, je voudrais améliorer. Ah, des puces pour le pod. Pourquoi je peux pas acheter? Vous n'avez pas assez de matériel, qu'est-ce qui me manque? Tout. Il me manque tout. Très bien. On va aller ramasser du champignon. Donc. Je sais même pas comment t'as fait pour mettre mon nom en surbris. Pico quand même. Alors, bah on va partir. Allez, on va y aller. Pod 042 to operator. Coordinates confirmed for location specified by resistance leader. J'ai un message. I just hit 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Comme please make joli. Sure you're ready before you go. La musique est très très jolie quand même. Si tu veux des champignons, va dans les vestiaires. C'est dégoûtant. C'est juste dégoûtant. Je refuse. Ou entre les doigts de pied. Ah. Déjà, c'est des robots, donc ils ont pas de champignons. Et bah. Oh. C'est quoi ce point rouge? Vous voyez un point rouge? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un méchant? Alors j'avais un message. Prenez un peu d'accès, je... Non. Commandant, équipement perdu. J'ai oublié de vous dire quelque chose. En croire notre équipe d'analyse, équipement abandonné lors de l'infiltration des unités affectées se trouve encore sur place. J'ai indiqué l'endroit. Cool. Message test. Ok. Donc, on peut aller chercher de l'équipement. Question Seb, vu que c'est Platinum, ils ont repris Elena Noguera, vu que c'est elle qui a fait Bayonetta. Mmh. Mmh.
such too. Ça, je ne sais pas. Ben voilà. Pas écouter le podcast tout de suite. Oh, je l'avais pas vu. Elle est beaucoup trop grosse cette épée. D'une lenteur. Ah, on peut charger comme dans Zelda. Oh, c'est génial. Non. Non. Oh, oh, elle est énorme. Oh, c'est génial. Oh, regardez comme c'est joli. Je parle des buildings et pas de sa culotte. Ça. Franchement, les combats ils sont jouissifs. Ils sont très agréables. Ils sont vraiment très très agréables. Ouais, j'ai vu la parade cool de dédoublement de personnalité. Vas-y, bourrelet. C'est fait. Oh. Mais il y en a partout, ces trucs. Ça m'inquiète, parce que s'il y en a partout, ça veut dire qu'on peut mourir partout. Aussi. Bonjour, monsieur. Non mais j'ai plus d'argent. Enfin si j'en ai, mais je voudrais garder un petit peu. Sauf si c'est des trucs cool. Comment on utilise les boosts? Je peux les avoir en raccourci? Je vais pas regarder ça. Comment on fait? Ça non, ça c'est trop. Ouais. Ça c'est pour mon pod, ça c'est pour mon pod, et ça c'est pour les soins. Il y a des raccourcis pour les buffs. Comment c'est joli. Oh, on laisse des traces. Oh, regardez, elle a du sable sur sa combi parce qu'il y a du... Oh mon dieu, c'est joli. Il y a des méchants. Oh. Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Pourquoi j'ai pas la PS4? Our struggle against the machine life forms is at its peak. Il faut l'acheter. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Vous avez vu tous les méchants qu'il y a là-bas? Ah, ça va être trop bien. J'ai le stream super pixelisé, c'est quand même magnifique. D'accord. Oh, regardez! Oh, c'est comme dans Mario, où il faut enlever toutes les couches. C'était trop joli. Encore. Oh, ah bah il y en a un autre. Oh, ils sont trop mignons. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Mais en fait j'ai... Non, franchement, j'ai pas du tout envie de les tuer en fait. J'ai envie de jouer avec eux. Je vais les laisser tuer pendant que je ramasse des jeux. Non mais ils sont trop mignons. En fait on n'a pas du tout envie de les tuer, ils sont tout ronds. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je t'ai pas parlé. Je veux ramasser les trucs par terre. C'est ça, c'est les gros cactus de Mario. Oh là là, ils sont... Attends, il y a encore un méchant là-bas. Je peux... Ouh. Cette épée.
C'est très joli ces petits canyons. Très joli. Oh. Non mais j'ai mis en mode agressif, mais là c'est un peu agressif. Hein. Il y a une Kaira. Genre, eh, vas-y, tu m'as regardé. Hi, je te démonte. Et voilà. Oh, il y a plein de méchants. Je veux tous les tuer. Mais en même temps, je veux pas les tuer parce qu'ils sont trop mignons. Ah. Bonjour. Hey. On a trouvé. Jack saute et pète-leur la gueule. Ouais, exact. Ils ne peuvent rien te faire, ils n'ont pas d'armes. Bah ouais. C'est un peu méchant de les tuer, je trouve. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Oh, eh bien. Tu fais péter tes murs. Ok. Inutile de jouer les héros. Très bien. Oui, non, mais non, bah, je... D'accord. Mets ton poteau en passif, tu taperas plus. Pas faux. Un problème. Alors, équilibré, contact, distance, agressif, prudent, passif. On va le mettre en prudent. Quelle idée d'ouvrir une porte avec des explosifs? Bah, c'est quand même le meilleur moyen. Zelda nous l'a appris. Les bombes, ça solutionne tout. Je vais me faire à manier et après je reviens. D'accord. Oh, il se passe quoi là? Est-ce qu'on peut y aller? Ah oui, on peut y aller. Oh, vous êtes trop mignons, vous aussi. Pourquoi on nous tue? Bah, bon appétit, Pico. Tu vas manger quoi? Oh, que c'est joli. Zone désertique. Sans blague. C'est la zone Gerudo. Oh, fais du ski. Pas du surf plutôt. This sand sure is slippery. Alors attends, parce que là, il y a beaucoup trop de points. Ok, et ben c'est parti. Moi je mange à feuilleter aux chèvres. Ah ouais. Ah. J'ai un secret, c'est que je ne mange ni de fromage, ni de légumes. Voilà, je mange de la viande et des fruits. C'est tout. Je mange pas. Oh, ils ont des capes. Attends. Oh, tu m'as loupé. Ils ont des capes. I heard from the resistance that they've been seeing this a lot lately. Tiens, voilà, tu m'as pas loupé. Oh, ils ont des capes. C'est comme dans The Journey, c'est tout pareil. Il avait l'air de galérer le pauvre. Est-ce que j'ai ramassé tout ce que je devais ramasser? Oui, il y a plus de points rouges. Moi, je mange que des légumes quasiment. Ah ouais. Ah non, moi, des légumes, c'est pas bon pour la santé déjà. C'est réputé. Et le fromage, mais c'est... En fait, ce que je comprends pas avec le fromage, ce qui fait un peu la même chose avec les légumes, c'est que quelque chose qui sent si mauvais, comment on peut le mettre dans sa bouche? C'est vrai. Oh, non.
rien. Oh, il est mort. Non mais c'est vrai, ça sent pas très bon le fromage, hein. C'est... je sais pas. Ah mais arrête de me demander ce que je veux faire de toi. Je veux ramasser les trucs par terre. Là, si je pouvais manger ce que je voulais, mais vraiment tout ce que je veux, juste à claquer des doigts et ça arrive dans ma bouche directement. Je pense que... ouais, ce serait un bon steak en fait. Un vrai gros steak avec des frites. Et des patates. Mais les légumes, c'est bon. Non, c'est pas vrai. On peut pas me faire croire que c'est bon les légumes. Quand tu cuis des choux-fleurs ou des brocolis, tu trouves que ça sent bon et que ça donne envie de les manger? Non. C'est vert, et quand tu les cuis, c'est vert beaucoup moins joli vert. C'est vert caca, quand même. Quand tu regardes les carottes, quand elles sont crues, t'es là genre « Oh !» Et dès qu'elles sont cuites, c'est tout mou. Les légumes, ça donne pas envie. Ça a des formes bizarres. Et puis ça sent pas bon. Voilà. What's with the weird looking outfits? I've seen that sort of thing when I was going through some old data. It looks like what humans used to wear long ago. Certain human collectives used to use face paint like that too. Ah, j'appuie trop tard! J'ai encore appuyé trop tard, sérieusement. Haha! Pourquoi il va si loin? Il reste des méchants encore? C'est très plaisant comme jeu, dis donc. Ça donne envie de tabasser des trucs. Il y a vraiment une sensation de Bayonetta où c'est un plaisir de tabasser des robots. Et alors est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser tous ces buffs? Genre là, si j'en mets un, est-ce que c'est utile? Où est-ce que je vais? Ah, ok. Oh, vous avez vu tous ces méchants? Oh! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais dû m'en douter, mais des trucs qui courent vers moi, quoi. J'ai pas assez appris de mes erreurs passées. Moyen utile? Oui, donc c'est pas l'idéal. Oh, de l'argent! Donc c'est quoi? C'est des djinns? C'est des... C'est des goulons? Des geese? Des... Je sais pas trop ce que c'est. Allez, va plus vite! Oh! 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 It's fine. Their speech doesn't mean anything. They're just emitting words at random. If they wanted help, mais non, mais ils sont trop gentils. Pourquoi on les tue en fait? On va juste les regarder et jouer au ballon avec eux, je sais pas. Ah, je me suis trompée de... Voilà. Je me demandais où est-ce qu'elle était ma grosse épée.
l'argent disparaît. C'est comme les anneaux dans Sonic. En tout cas, visuellement, c'est juste un carton. C'est vrai que c'est très très beau. C'est très beau et en même temps, c'est très simple. Mais enfin, tu sens que la Terre, elle en a chié quand même pour venir à cet état. Oui. Oh, c'est comme si j'avais une paravoile dans Zelda. D'ailleurs, il y a des gens là qui ont joué à Zelda, dans le dernier. Qui ont fait le test. Non, mais ils disent des mots qui sont... Enfin, on n'a pas envie de les tuer. It's heading for that rocky area. Individual target ID marked. On va partir à la chasse. Hmm? Ouais, je suis toute pleine de sable. Parce que là on est dans un désert, mais avant donc c'était une ville. Où est-ce qu'on était? Ça ressemble à quoi ça comme ville? Si on peut l'imaginer construite. What's that? Analysis. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. Ooh, mail notification received from access point. Les musiques elles sont jolies. On va aller là-haut, hein. Carrément. Ah. Mais avant. La divination jupitérienne. Les filles de l'équipe de R&D ne parlent que de ça ces derniers temps. Il paraît que c'est en examinant la couleur et la forme de la grande tache rouge de Jupiter, il est possible de connaître son avenir. Sérieusement, je reçois des spams, même dans un jeu. On appuie sur la lune. Très bien. D'abord, elle est tout en haut. Je sais qu'il y a un truc. Il y avait un trou. Super. C'est joli, mais c'est triste, mais c'est joli. Ils ont des consciences, c'est sûr. Ils ont peur de nous.
super beau, je suis impressionnée par le design de jeu quand même. Ils ont des cartes. Ah oui, elle disait que c'était des modèles anciens. Ow. Ow. Pas très sympa. Oh, c'est trop triste ce qu'ils disent. Pourquoi je le vois pas armer son poing, quoi. Ce gros machin là. Non. Ouais. Ah, il fait caca des monstres. Bon, on va aller tuer le gros machin, je sais, je vais. Tellement grand que je vois même pas sa vie, quoi. C'est... petit avec des choux, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement mignon. J'ai juste tapé le deuxième. Non, c'est très bien qu'on puisse taper. Ah, vas-y, il est mort. Il était un peu mignon. Avec ses énormes bras. Il est toujours là, lui. Il fait des blagues. Mais j'ai pas envie de le tuer. I wonder what makes them choose these words. Tiens, Kino, on en sait plus sur le... sur ces petits robots, j'imagine, au bout d'un moment. T'as fait une des fins ou pas, en fait? Donc il y en a 26. Est-ce que tu l'as fini une fois, ce jeu? La What are they doing here? It's like they were gathered here. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai avalé l'âme de quelqu'un. Oh, mais c'est trop triste, il y a des cadavres partout. LOL, trois fois. D'accord, ok, tu l'as fini trois fois. Bien. Et elles sont vraiment toutes différentes ou c'est juste. Il y en a une où elle finit avec une gueule blanche et une autre avec une gueule rouge. L'histoire est folle. Et là, pourquoi je viens d'absorber des gens? Genre, j'absorbe quoi? De eux? Multiple machines detected ahead. But what's with these android bodies? Stay focused. T'as de l'engueule, le pot. Oui, il est sauté. Il y a vraiment 5 fins? D'accord. Ah non! Non! Ça fait mal. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est beaucoup trop mignon. Mais je vais pas les tuer. Don't listen to them, 2B. Non.
Non, non, mais j'ai envie de partir là, je veux les laisser tranquilles. Oh, ils font comme les lapins. They're just imitating human speech. Let's take them out. C'est un peu pour nous ce qu'ils font. Non, mais je suis obligée de les tuer. Je suis obligée de les tuer. Oh non, mais je veux. Ah, voilà. Non, mais je veux pas te tuer. Ah, trop nombreux, mais vous étiez en train de faire des trucs dégoûtants. Restez dans des trucs dégoûtants. Carrément. Ah ouais. Et alors Kino, est-ce que tu vas le platiner? C'est ça la question. Oh, ils sont trop mignons. C'est une torture de les tuer. J'ai l'impression de jouer à Nintendog et de devoir tabasser des petits chiots trop mignons quoi. Pas du tout. Oh. Oh non, ils sont en train de faire un méga méchant. Oh, sérieusement. Il y a moyen, je verrai quand j'aurai fait les 5 fins déjà. What's happening? Bah, ils font comme dans tous les jeux de vidéo du monde, ils se réunissent pour faire un gros machin qui va me péter la gueule. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va bien me faire mal, ça. Ah, ce sont des fesses. An android? Non, this... This is a machine. Caca des gens? Ça, c'est Firot? Qu'est-ce qu'il fait, là? Oui, attention, ça, je veux bien, ça. Sérieusement, il vient juste de vivre, et nous, la seule première chose qu'on trouve à faire, c'est de tabasser, quoi. Pourquoi on l'attaque? J'aime pas ce jeu, il me fait faire des, choses que je veux pas du tout faire. Ça y est, ah bah forcément, on voit des fesses en gros blanc, il y a qui revient, bah t'es pico hein. Qu'est-ce qu'il fait, il faut partir.
fait caca liquide. J'ai pas les pouvoirs comme ça. On dirait que je fais ça comme ça. Ah, il me contre moi aussi. Il fait les mêmes trucs que moi. Ah, oh, il me contre. On va lui péter la gueule. C'est pas un mec tout nu qui va. Hein. Ah ok, c'est bon. Tellement de choses. Oui, c'est un Sephiroth, tout à fait. Oui, il a un problème côté vital. On peut voir de très très proche maintenant. Il fait pipi par la bouche, tout à fait. Les Japonais ont un problème avec les cheveux blonds platine. Bonjour Jean-Pierre, comment on fait un personnage stylo? Super Roger, tu me mets des cheveux blonds platine. C'est vrai, j'avais adoré Christophe Lambert. Ah oui. Oh là là. Il m'a fait un peu mal quand même. Hein. Je pense qu'en difficile, il doit être vénère. Oh. Attention, ça s'écroule. Oh, on va tous mourir. Vite. Non. Oh, le pouvoir de la culotte. Je le sens pas. Si on s'est échappé. Easy peasy. Ouh. C'est un garçon, tout à fait. Oh, j'ai un trophée. What the hell just happened? I know. I've never seen a machine like that before. We better report. Soin, oui, mais moi, j'aimerais bien faire du soin, mais j'ai tout utilisé. C'est par là qu'il faut. Voilà, voilà. Oui, oui, bah merci le bot de me rappeler mes bêtises. Let's move to an area with better reception so we can contact command. Ce qui est bien, c'est que dans le sable, elle a du mal à courir. C'est très réaliste. Le mec s'autorise, il se clone, il apprend. Ok, c'est pas du tout le boss. C'est possible, ouais. Ouh. Non, oh.
je sais pas, fais ce que tu veux. Je voudrais juste pouvoir faire l'action qu'il faut. Ah d'accord, ok. Tout à fait. Ah, des petits méchants. Ah mais... épée quand même avec le roi animal dessus. Il y en a d'autres. Ah oui, mais si tu tires contre un caillou là, j'ai plus de soins en fait parce que j'ai tout utilisé. Mais normalement ça devrait là. Ok, this is good. We should be able to reach command here. 9S to bunker. Do you copy? I read you 9S. On contacte la base. Ok. Operator, c'était pas mal ce boss. We just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them. But I have combat data. Encore de la jolie musique. Understood. Ready to receive. Hopefully you can get something out of it. Je reçois des mails de Steam qui me disent que des trucs que je veux sont en solde, comme toutes les 10 minutes à peu près, avec Steam. Oh, j'enregistre tellement tout de suite. Oh, je vais pas perdre mon stuff. Ah, oh. Oh, ça y est. Enfin, en même temps, je suis pas morte. Je suis pas morte. Je tiens à me faire remarquer. Hein, le chat, dès qu'on meurt, tout de suite, ah, c'est nul, tu meurs, pou, avec les airs. Alors que quand, quand on fait des Sephiroth one shot, boum, ah bah là, y'a plus rien. Hein. Bah, je savais pas que t'avais plus de soins, mais bon, depuis, t'as buté le boss, alors je suis rassurée, je respire. Oui! La musique de Nier était déjà très bonne. J'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. On va aller au camp parce que j'ai plus de temps de toute façon. J'ai pas fait le premier Nier. Qui, à ce qui paraît, est très bien. Qui est pas aussi joli. Je sais plus sur quelle console. C'était PS2 ou PS3 ? PS2 ? PS3 ? Je sais pas. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas testé. Est-ce que j'ai fait retourner au camp ? Non. Je me suis trompé le bouton, c'est ça. Ah oui. Donc on va arriver au camp. On va faire comme tous les PNJ du camp, une pause. Et on se retrouve après dans 10 minutes, si ça vous va. Dès qu'on arrive au camp. Qui est pas par là. Mais on peut y aller aussi par là, sauf s'ils me font le coup de... T'es trop forte, Emmanuel. Ouais, je tiens là, moi. Merci, con. Hein. Oh, t'es gentil. Hein. Est-ce qu'on passe, là? Il fallait pas faire le tour. Et donc on se retrouve dans 10 minutes pour continuer de Nier et pour s'amuser, tout simplement. Manger des trucs aussi, du sucre, beaucoup de sucre. Enfin, sérieusement, je me suis encore trompée de côté. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on va être dans le camp dans 37 minutes, hein, parce que si je fais n'importe quoi, ça va être compliqué. Le camp. Vas-y, on va monter sur le bus, on peut monter au-dessus. Oui! Ah, ça y est, je reconnais. Voilà, on va passer par là. Hop! Et le camp, il est par là, normalement. Est-ce qu'il y a des tenues différentes? Alors, c'est pas du tout, il faudrait que j'aille voir maintenant le marchand. Tout simplement qui est au camp, qui peut me donner des fournitures. Après, au niveau des armes, ça, j'imagine qu'il y en a une flopée monumentale. Et c'est vrai qu'à part changer sa culotte, qu'est-ce qu'on lui change? Ah, peut-être qu'on peut avoir des culottes de toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel, avec une licorne, avec des ronflex dessus, qui sait. J'aime beaucoup les culottes. Oui, Pico. Mais la question est, propre ou sale?
Parce que le jour où j'ai su que je pouvais vendre ma culotte sale 55€ à un chinois ou un japonais qui est très loin, tu réfléchis quand même à deux fois avant de faire le babysitting. Hein. Là tu te dis, bah... je vais peut-être juste faire ça et vendre ma culotte. Tout simplement. Est-ce que je peux... Non, je peux pas passer. Non mais c'est pas possible d'être aussi stupide. J'arrive même pas à aller dans mon propre camp. On trouve des tenues avec moins de couvrance. Non, pas de tenue, mais quelques casques. Mmh. Et personne des hyperlunks ne mange, car Emmanuel met 3 heures à retrouver. Je sais. J'ai désolée. Mais oui, mais le jeu, des fois, il me fait des blagues, genre, tu peux pas passer par là parce qu'on n'a pas envie. Tadam ! Regardez où est-ce qu'on est. Regardez, regardez. J'ai trouvé le camp. On sauvegarde et on vous laisse... pour faire le miam miam. Allez, au revoir, bon appétit.
Bonsoir. On est revenu. On va dîner avec vous. Voilà. C'est fini les jeux vidéo. On a décidé d'arrêter. On va faire donc une chaîne de cuisine. Donc aujourd'hui, c'est comment manger un kebab proprement. Démonstration. Hop. Avec des Haribo dedans. Ça a l'air trop bon. Le bon. Humé, ces belles senteurs. Alors, il vaut mieux éviter avec ce truc-là. Ouais, ça y est, je vais. Tu as compris pourquoi. Maintenant, je vais enlever les Haribo qui vont pourrir pendant 6 ans. Voilà. Mort. Histoire que la table ne s'effondre pas. Oui, donc on prend quand même 5 minutes pour manger. C'est important de manger. Parce que Nier Automata, c'est fatigant. Il faut sauter partout. Oh là là, mais si vous imaginez à quel point notre petite 2B, et pas teubé. Ah, c'est un fan teubé. C'est ça, est fatiguée. Emmanuel, elle habille en garçon. Ouais, et même que. Ah bah attends, voilà. Le swag. C'est une chemise. Oula, je suis très proche du micro. C'est une chemise Raptor. C'est ASMR. Alors, simple question. Okay. J'ai l'impression que. C'est le tien, celui-là. Voilà. Non. J'ai pris une frite. Non, ma frite. Et je t'en donne une. Hop là. Salut Sébastien. Bien, Pico qui te dit bonjour. Salut mon Pico. Moi aussi, j'ai la dalle, donc j'ai décidé de manger. Avec Emma. Et comme ça, on va pouvoir. Faire un petit débrief de ce Nier. Nier, c'est comme ça. En fait, c'est super agréable à avoir en main. Et je trouve que la manette est vachement bien exploitée. Quand on essaye de comparer, par exemple, quand tu veux exploiter la manette avec Zelda, tu fais attends, il faut que je saute et que je cours en même temps. Ouais. Voilà. Alors que là, tu peux tout faire en même temps. Ça, c'est un plaisir. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et surtout, ce qui est très très agréable, c'est. ce qui est très agréable, c'est vraiment cette ambiance qui se dégage, très simple, très épurée. C'est beau. Et à regarder. Moi, je suis derrière depuis tout à l'heure et je regarde et je lis ce que vous dites. Hein. Je lis. Effectivement, c'est très agréable. Pas forcément ce que vous écrivez, mais plutôt le jeu en lui-même. D'ailleurs, tu sais quoi, on peut le lancer en mode genre tranquillement à base de tranquillope, genre hop, et que ça nous mette juste une image histoire de pas avoir bien sûr. Juste le point d'accès. Je sais pas comment. Oh. Regardez comme c'est joli. Waouh. Avec sa grosse épée. Wink, wink, wink. Ou encore le gégélé. Non, il est vraiment très agréable ce jeu. Ouais, il y a une. Bon, on voit clairement qu'il y a des limitations techniques, hein. C'est évident, mais je trouve que c'est très bien camouflé. Ça, c'est pour Kiri. Voilà. Ah oui. Mais elle est trop kawaii. Regarde-moi ça. Ça a l'air trop bien. Le jeu ou les kebabs? Va au jukebox au fond du camp. Ah, il y a un jukebox. Oui, Kino. Comment t'es trop intelligent, Kino. Alors, au fond du camp. On voit que Kino, c'est un mec. ou une nana, je sais pas. C'est un monsieur. Un monsieur. Ah, il connaît les bails, lui. Oh, et la nana, elle est canon. On se repose un peu. D'accord. Voilà. Oh oui. Et c'est tout? Je peux mettre de la musique? Ou pas? Ou il faut juste que je m'assieds? Ou que je parle à la madame? Il faut peut-être lui parler, je pense. Allez. Madame, vous mettez de la musique? Ouais. 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 Ah bah oui, parce que c'est... Bah oui, la terre, elle est plus comme maintenant. Le jukebox, pas le banc. Oh, ça va, Kino, hein? Ça se ressemble vachement, quand même, les deux objets. Regarde, jukebox. Bon. Jukebox. C'est très. Bon. Ça a la même utilité. C'est hein. Tout pareil. Oh là là. Oh. Quelle piste? Alors, qu'est-ce que vous voulez écouter? Bah, vas-y. Allez, scénario. Ouais, scénario. Je pense que c'est un bon. On va début. Écouter Widespread by Mass. Il connaît les beaux. Ouais. Oh oui, trop bien.
Cœur. Voilà. C'est quoi, on va mettre un peu plus fort pour vous. C'est bon, j'ai parlé à la madame. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est là où tu vois que ce jeu est fait par des Japonais, parce qu'il n'y a que les Japonais qui pensent à ça. Même Final Fantasy XV, on a beau dire tout ce qu'on veut sur ce jeu, mais ils ont quand même prévu un MP3 pour que tu puisses mettre toutes les musiques que tu veux pendant tous tes combats du monde. Enfin... Ce qui est pas mal. Et franchement, rejouer sur les musiques de FF10, parce que moi c'est un de mes préférés, je sais, mais je vais avoir genre 16 ans, ouais 16 ans, ça fait au moins 10 ans qu'il est sorti ce jeu, même plus. Oh, facilement. Donc ça fait 13 ans, voilà. Mais pour ce qui est des musiques, il y avait aussi dans certains GTA, sur PC, tu pouvais mettre toute ta liste MP3. Ah ouais, ça c'était trop bien. En radio, donc du coup c'était ta liste MP3 qui passait en radio. Ouais. Et bah écoute Pico, c'est un bon kebab. Pour te dire, j'ai pris un radical, si tu vois de quoi je parle. Ah mais Pico, tu connais cette adresse sûrement. Ah, bien sûr, Pico il connaît. Tu sais, radical c'est le... Ah, tu peux acheter des musiques. Oh, ça c'est stylé King Konga là. Ça, si tu me dis ça, moi ça me fait plaisir. En fait... Moi, ce que je trouve fabuleux dans ce genre de jeu, c'est quand avec peu de choses, tu peux suggérer un univers entier. Et je trouve que c'est vraiment... C'est ce qui fait le sel des jeux japonais, c'est la narration par le moins. Moins t'en dis, plus tu en dis, en fait. Ah, moi, je me suis trompée. Ah, oh, j'ai cassé. Elle a une brise juste sur sa culotte. Ah bon? Regardez. Genre, ça... Oh, oh, voilà, c'est pour vous. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours croiser les jambes. Oui. Voilà, sinon il y a des gens qui vous regarderont en troisième personne. Parce qu'on a tous une caméra comme ça qui nous suit. Ah ouais. D'ailleurs elle est là, tiens. Mais c'est quoi en fait? Alors, qu'est-ce que le kebab radical? Ah oui, je voulais pas expliquer. Cette recette merveilleuse. Alors mon petit, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce radical? Alors, pour être simple, c'est du chicken curry avec saupoudré par son cordon bleu haché, avec une dose de fromage cheddar. Donc ça, peut-être que tu ne mourras pas. Oh mais... la food porno quoi. Ah ouais. Oh là là. Ah mais à base de exactement, à base de bonheur. Et ils ont fait des bisous avant de nous le donner. Hein. Oui. J'aime bien ce que dit Seb sur les musiques de Nier et la constitution de la narration. Ah. T'as gagné une gommette, bon plan. Ah, merci. Je la mettrai ici, là, sur la tête. Mais c'est vrai que ce que je disais, c'est que quand t'as envie de te poser, t'as vraiment envie de te poser à côté du jeu et genre juste de pas jouer. Oui, bon, ça bug un peu, on est d'accord. D'ailleurs... Même la boucle du cœur ne se remarque absolument pas. Je suis pas choqué, à mon avis la musique a dû déjà se répéter, mais... Sûrement oui. Non. Mais en tout cas, ce qui est aussi à remarquer, c'est que tous ces droïdes ont donc des cuissardes pour les femmes et des petits shorts tout mignons d'enfants allemands de 12 ans. C'est quoi ce look? Comment ils ont pas... Enfin, c'est ah mais oui mais t'as tout à fait raison, c'est un look encore allemand. Ah oui, c'est vraiment le petit enfant qui a 12 ans et qui va aller chercher des moules. Mis à part le côté BDSM total des personnages féminins. Pardon, mais en fait, hein. C'est ça, c'est une domina. Et 9S, c'est le soumis. 27 devs ont bossé pendant 3 ans. Tu m'étonnes. C'est clair. C'est ce qui a retardé la sortie du jeu. Ah bah oui. Et alors, est-ce que vous êtes pressé de jouer à Andromeda? Moi, c'est ma grosse question. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur les animations, sur le fait que ça a été... qu'il y avait des nazis racistes qui bossaient dans la prod, enfin bref, plein de trucs comme ça. Ils ont viré un mec pour racisme. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ce truc de... autour des animations? Parce que c'est vrai qu'elles sont drôles, quand même, on dirait des cartoons, quoi. Mais je suis un... C'est vrai, je suis étonné là de ce que tu me dis là. C'était sur Twitter aujourd'hui. Là. Ah ouais? Un mec s'est fait virer. Punaise, c'est chaud. Je sais pas.
Mais les animations, elles sont tellement drôles. Domina berlinoise. Avec de la transe. Boum, boum, boum. Moi, je t'avoue que je suis un peu choqué, quand même. Un petit peu. Moi, j'aime les Mass Effect. Non, mais les Mass Effect sont très bien. Enfin, ils sont très bien. Le 1 et le 2 sont très bien. Le 3, il est rigolo. C'est... Rigolo, c'est-à-dire? Bah, il... C'est comme quand tu dis « Oh, j'aime bien Fallout ». Ouais. Le 1 et le 2 et Las Vegas, franchement bien. Le 4 est rigolo. D'accord. T'sais, ils ont tout basé, ils ont complètement oublié que leur jeu était basé sur des scénarios et... Ils ont tout basé sur l'action, ce qui est un peu triste. Faut comprendre. Andromeda, si on peut baiser des aliens, ça me va. Ah, tu veux jouer à Witcher 4? Alors oui, cette image m'a fait baver toute la journée. J'ai cassé mon ordinateur, j'ai bavé sur les touches. Mais Witcher 4, quoi. Witcher 4. Encore avec notre Geralt national. Ça sera quel tome qui sera adapté, du coup? Alors là... Ils ont mis qu'une image avec un Geralt dans le désert, donc je sais pas si ça aide. Je sais pas, je n'ai pas lu les tomes, mais apparemment on doit quand même être assez loin là dans la... J'ai pas oui, King Konga Cyberpunk 2077, mais ce jeu il sortira jamais. Ça fait combien de temps que l'attends? Je crois que ça fait 6-7 ans. Qu'est-ce que c'est Cyberpunk? Oh là là, il faut que tu regardes les vidéos de présentation du truc. Ah oui, des vidéos. C'est juste des images, c'est juste des vidéos, donc c'est pas... C'est de l'acting, enfin c'est en 3D quoi. C'est pas le jeu, mais c'est tellement beau, putain. Ah mais c'est quoi comme jeu? Ben un jeu cyberpunk. Ok. Complètement cyberpunk en mode... Alors c'est pas cyberpunk c'est en mode... C'est si ouf. Bah oui, mais je vous crois. Vous avez l'air d'être enthousiaste à fond, à balle. Ce qui est bien c'est que c'est du cyberpunk, mais pas post-cyberpunk. C'est-à-dire que c'est pas type Ghost in the Shell. Là, c'est vraiment en plein dans le cyberpunk, type New Retro Wave, Synthwave. Avec un petit côté dystopique bien sympa. D'accord. Et c'est un RPG, un FPS un... On sait pas. Ouh. On sait pas. Et ils en parlent depuis combien de temps? Ce jeu-là, au collège, fin collège, ou début lycée, je crois, j'avais vu la vidéo. Il y a plus de 6 ans. Non, il y avait déjà d'autres images avant, Pico. Bien avant. De la vieille qui a joué à Witcher parce que le mec il est beau. Hein? Ah oui, c'est oui, cette histoire qui est assez rigolote. Oui. D'ailleurs, pour votre gouverne, The Witcher il me manque plus qu'un trophée. Il faut tirer dans la tête de 50 gars avec une arbalète. Et c'est chiant à faire, je vous jure, c'est une chiantise. Ah, au fait, Kino, j'ai platiné Nioh, ça y est. Tout comme toi. Mais un Witcher like? Ah ouais? Tu veux dire mais c'est un CRPG en fait, c'est pas un Witcher like, c'est un CRPG. Et depuis quand c'est ça? Oui. Mais c'est un CRPG, mais on ne sait pas la forme que ça. C'est-à-dire on sait pas si ça sera comment on appelle ça, une sorte de monde ouvert avec une ultra dirigiste ou alors une... Oui, mais si tu veux, enfin tu dis tu enfin oui, effectivement, mais après ça va avec plein d'autres genres quoi. C'est sûr que ça sera pas un manic shooter, on le sait. Ça sera pas non plus un platformer. Oui, Pico. Moi j'ai regardé sur mon compte, j'en ai 10, c'est pas beaucoup. Alors que j'ai... Bah j'ai beaucoup trop de jeux en fait. Mais ça, franchement ça fait une moyenne de 1,1%. Donc j'ai pas assez de platine. J'ai pas assez de platine. C'est énorme déjà de 10 hein. Moi le seul jeu que j'ai jamais platiné c'était Red Dead Redemption. Mais il est long à platiner lui. Ouais, extrêmement long. Je ferais peut-être une émission qui s'appellerait Regardez-moi pendant 4 heures pêcher. Ou alors Regardez-moi pendant 6 heures essayer de rebondir sur 5 voitures dans Saint-Tro Gate of Hell. T'as joué à Saints Row, punaise? Que j'ai platiné. Ah, le, ouais. le Gate of Hell, justement, il y a ce trophée où il faut rebondir sur des voitures et ça m'a saoulé. Ok. Et il me manque juste lui. Et il faut que je... un bullet hell.
Oui, oui, je pense qu'ils sont encore sur la... à ce moment-là. Sur... l'univers. Ça a l'air de, d'être assez cool quand même. Cyberpunk 2077, ça a l'air d'être génial. Ouais. Génialissime. Et clairement, c'est une. Enfin, moi qui attendais depuis très longtemps. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Bah, par exemple, là, l'achievement de pêcher, c'est très chiant à regarder. Sauf si on fait ça à 7h du matin avec des croissants en faisant. Alors aujourd'hui, j'ai pêché un bar, j'ai battu mon record, 89 cm, j'ai mes copains qui m'ont aidé à le porter parce qu'il était énorme. On a fait une photo, après on a fait une petite cuisine. Inus tu peux cuisiner, prendre une photo, non? Bien sûr. Mais oui, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Non, c'est noir, c'est fin, c'est... Et là, mon but, c'était de platiner les Mass Effect. Mais là, j'en ai pour 10 ans, quoi. C'est une horreur, c'est long. Mass Effect, à mon avis... Mais c'est pas le pire. Dans, ah les, bon dans les pires, c'est tout ce qui est les Dynasty Warriors. Ah oui. Ils disent que c'est ça les pires. Donc on peut se faire un matin trophée où pendant une heure, c'est une activité qui. Le Morning Trophy, voilà. Qui est inintéressante au possible à regarder, mais avec des croissants et du chocolat, Et bah tout passe en fait. Tout est merveilleux. C'est là que tu te rends compte que ouais. C'est très long. C'est vraiment très très long Mass Effect. En plus, il y en a 3. Par exemple, il y a des trucs qui sont longs, mais le jeu est tellement bien que c'est pas grave. Par exemple, platiner Nioh, ça a été un plaisir. Platiner les Dark Souls, c'était un plaisir. Bloodborne, c'était génial. Enfin, y a des jeux, même The Witcher, à part ce truc de viser la tête des gens, mais juste parce que le système de viser avec une manette, c'est compliqué. Mais il y a des jeux voilà, qui sont très agréables à platiner. Il y en a d'autres que tu platines parce que tu sais que ça va prendre 2 heures. Genre par exemple tous les Telltales ou les, tous ces trucs là, là tu fais oui bon, un coup de nez je lui coupe le bras et puis l'autre je lui coupe pas le bras quoi, c'est... Effectivement c'est pas... Mais non par exemple Skyrim c'est un plaisir, là je suis en train de faire ça en ce moment, c'est mon futur... Bah futur putain trophée. Bonne chance hein. Et bah j'en suis à 66%. Pas mal. Ouais. Ça fait combien de trophées en tout, une cinquantaine? Non. Ah je pense que c'est une centaine moi. Non. Oh non. Ah, Pico, il a compris le jeu de mots. Merci, Pico. Ah, il y a des gens qui sont encore... Alors, il faut que je réfléchisse maintenant. Je vais me TP dans mon propre cerveau. Avec ta bibliothèque, genre, attends... Morning Trophy. Plus ou moins bien désigné que d'autres, faut dire. Oui, non, mais oui. Oui. Par exemple, il y a des trucs qui sont ridicules. Surtout dans les multijoueurs. Ce merveilleux monde du multijoueur. Je l'avais compris aussi. Putain, je suis la seule à pas l'avoir compris. Je laisse le chat expliquer gentiment. Ah ouais, parce que moi, je suis perdue. Et des... Donc, c'est quelque chose qui est typique des garçons, généralement. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est votre dureté du matin. Ah. Ah, en fait, ça a été rapide. Parce que je suis un garçon. Oh mon dieu. Le twist. Oh. Et je suis une fille. Oh, mais voilà. Derrière. Quoi? Évidemment, ça reste entre nous, évidemment. Bien sûr, ça ne sera jamais sur l'internet jusqu'à la fin des temps. Ça reste ancré maintenant, c'est fini. Faut parler anglais, Emmanuel. Je t'emmerde. Quoi? Et tu sais, je sais le dire en anglais, regarde. Oh fuck you. You're such an asshole. Ouais. Bon, je t'ai vu jouer à Brodor. Alors oui, Borderlands c'est compliqué parce que il y a des jolies armes qui sont pas très fortes mais qui sont jolies. Oui, il faut les utiliser. Parce qu'elles sont jolies. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. L'arme qui te crie dessus, elle est trop bien. Moi, j'ai un très gros clito, c'est pour ça. C'est pour ça que je te coucou quand ta kékette était petite. Wink, wink, wink. Pico. Eh ouais.
À propos de ces armes qui sont inefficaces et belles. Oh là là, jouer à Crypt of the Necrodancer. Moi j'y ai pas joué. Oh, c'est trop bien, il faut sauter en rythme, tuer la chauve-souris en contre-temps. Parce que sinon elle te prend tous tes cœurs. C'est trop bien. Et c'était un jeu de rythme du coup? Punaise. En fait c'était des donjons un peu en roguelike et tu dois tous les tuer et trouver le trésor, sauver la princesse. Mais en rythme. Mais en rythme, ok. Et donc t'as des dalles qui ralentissent, qui accélèrent, t'as des monstres où il faut les prendre en contre-temps, t'as des monstres où il faut attendre 4 temps, t'as des monstres... Et tous les marchands chantent. Dès que tu t'approches d'eux, tu commences à entendre une chanson et tu dis « Attends, il est où ?» Et je l'ai quelque part. Je l'entends et ça va mourir de rien. C'est génial comme jeu. Moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. Ouais, t'es nul en rythme. C'est original. Ah oui, tu m'avais dit que t'étais nul en rythme. Oh, j'aimerais tellement faire le Tizram Paradise là sur... sur Wii. Oui, Rhythm Paradise. Oh, qu'est-ce que ça existe sur Wii. Moi, je pense que c'était uniquement DS. Mais une version Wii. C'est tellement génial ce jeu. Ah ouais. Et si vous allez sur internet, vous avez la version porno de ce jeu. Hein? Ça existe? C'est une petite vidéo qu'un mec a fait. Ça dure 10 minutes. C'est les mêmes animations. C'est les mêmes mini-jeux. Interprétés. C'est vraiment génial. Ok. Oui, c'est ça. Le mode Coda, moi, j'avais essayé. Bah, j'ai pas fait long feu. Hein. j'ai dû tenir, ouais, 2 minutes, grand max. Mais c'est quoi, le mode Coda? Et bah, tu te fais toucher, tu meurs. Ah, d'accord. Genre, là, c'est Kino qui dit, je regarde un speedrun du mode Coda, si tu rates un rythme ou que tu prends un dégât, tu meurs. Et c'est très très dur. C'est très très dur. Non, mais les jeux de rythme, c'est génial. Moi, j'adore ça. Pas de pont. Oh, pata 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 pont. Pata 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 pont. Pont pont pata pont. Pont pont. Fever. Oui. Oh, c'était trop mignon. Et puis quand ils meurent, ils font tous oh. Chaka chaka pata pont. Moi, je dois avouer que je me suis buté aux OST de pata pont. C'est vrai? En fait, c'est comme je sais pas si vous connaissez Locoroco. C'est pour moi c'était le même type. Et en fait, c'est en cherchant des OST de Locoroco que je tombais sur Patapon. Et comme je suis un fan de Locoroco incontesté, hein. Non, non, mais les jeux de rythme, quoi. C'est le plaisir. C'est le jeu de rythme qu'ils ont fait sur les Final Fantasy, sur toutes les musiques, théâtre, je sais plus quoi là. Qu'est-ce que c'est bien, oui, quoi. Oui, oui, qu'est-ce oui. que c'est bien. J'ai vu Atomium faire une vidéo dessus. Il est cool, Atomium. Ouais. J'aime bien parce qu'il est calme. Ouais, il est calme, il est posé. Il mange des kebabs. Non, justement, c'est ça qu'on a de mieux sur lui, c'est que nous, on mange des kebabs. Et lui, il en mange pas. D'ailleurs, mon kebab est très gros. Guéguéné. Je suis désolé, je t'avais dit qu'il en mettait la pâté. Hein. Ouais, mais là, ça va être compliqué de le finir. Déjà, il fait que je galère, mais... Ah ouais, parce que je mange pas de légumes, mais aussi, je mange pas beaucoup. Beaucoup, très peu, mais toute la journée. D'accord. Pico, figure-toi que mélanger à l'OST de Locoroco, ça passe nickel. Moi, je suis un taré de ce qui est kawaii, donc... des musiques kawaii, donc forcément, ça touche ma carte sensible. Et c'est sur iPad où ils ont fait le jeu qui existe au Japon. Qui est en fait une énorme arcade comme ça avec deux gros tambours. Ouais. Et tu joues avec un copain ou tout seul. Et en fait, tu tapes au centre, soit tu tapes sur les côtés. Donc t'as toute une liste de rythmes que tu dois faire. Mais ça ressemble à Donkey Kong, ça, non? Alors, ouais. Sauf que ça s'appelle Tongo Pongo, un truc comme ça. Et c'est des énormes tambours. T'as l'impression d'être un méga japonais trop fort dans le rythme. Et quand j'étais partie au Japon, j'étais passée avec un ami qui était musicien. Donc je galérais au bout d'un moment. Sauf que lui, il commençait à faire des. Du ski, tu vois, il avait. C'est de la triche parce que c'est son boulot, tu vois. Bah, tu m'étonnes aussi, le mec, voilà, il sait y faire avec la musique. Et il faisait des trucs incroyables et t'avais des japonais qui s'arrêtaient. Ah bah. Et c'est là que tu te dis. Ah, le mec qui pèse, quoi. Ouais. Et ce jeu est sur iPad. Donc tu tapes comme ça sur ton iPad. Ah oui, d'accord, faut que tu tapes sur ton iPad. Oui. Oh, tu le tapotes. Oui, tu le tapotes gentiment. Voilà. Welcome everyone, this is XX Noob Killer on Call of Duty! Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Oui, effectivement, moi. Ah, le kebab tombe par terre. C'est la fin des kebabs. Ah non! J'ai cru
j'étais une petite feuille de salade, c'était de la sauce, j'en ai partout. C'est bon, heureusement, il y a le fidèle PQ qui vient pour nous sauver. On vous jure, il était là avant. Oh. Bon. Bon. Alors. Maintenant qu'on est à peu près rassasié. Mm-hmm. Parce que moi j'ai encore faim. C'est vrai? Ouais. Même prends le mien. Mais vraiment, moi je cale là. C'est une horreur. Qu'est-ce que je fais? Regardez, je vous propose ça. Seb, mange pendant que je joue. On fait ça, allez, comme ça je nous mets en plein écran. Et voilà. Ouh. En fait, vous êtes pas là pour nous regarder jouer, vous êtes là pour nous regarder jouer et manger. C'est le stream ASMR de la bouffe. Ouais. Alors, on va mettre un petit truc un peu plus guilleret, hein? Oui, 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 je pense. Alors, on va mettre combat et on va faire la seule qui existe et on va le faire en voix on. Je pense que c'est mieux. Et on s'en... Non, fermez. Ah, oh, c'est fitness! Mais on va rester avec cette musique jusqu'à la fin? Peut-être. Ok. Défi lancé. Le PQ devant la console avec des japonaises nues. Elle est pas nue, elle a une culotte. Oui, voilà. Et ça, pour le coup, on la voit. Seb est en pleine croissance. Mange-le. Et là, tu picotes en train de te dire putain, je suis pas à côté d'Emmanuel, je peux pas manger ses restes. Et voilà. Mais ouais. Pico qui aime manger les restes d'Emmanuel. Oui, parce qu'il en reste toujours au moins 3 quarts. Bah, écoute, je prends ta part, Pico, je suis désolée. Ouais. J'ai écouté une collègue y jouer il y a quelques années, ça me rendait dingue. Ah, le patapon. Ah oui. Mais c'est normal, patapon, c'est juste... Ok, on arrête, Nier, on joue à patapon. Non, surtout que là, il y a Rappa the Rapper. Ouais. Rappapa. C'est pas là. C'est pas là. C'est Rappapa? Rappara? C'est Papara the Rapper. C'est Popidou Popopo. Voilà. Popidou Bidoupo. Qui, voilà. Alors... Elle me montre bien cette porte pour aller bien là. Vu que mon sens de l'orientation est bon. Et ils se sont dit la musique est épique as fuck, mais elle a pas duré longtemps. Bah ouais, mais c'est parce que j'ai ouvert une porte. Que du coup, quand on ouvre des portes, bah, ça arrête les musiques. C'est ça. T'as vu, tu peux commencer à partir pendant qu'elle part, mais non. Tu peux pas couper la parole. Moi, je me sens bien. Oh! Ah, malin. Je sais pas pour toi, mais quand je quitte un peu le campement, je me sens un peu nostalgique. Oui. Là, genre, t'es là, t'es dit, mais en fait, on était bien dans le campement. Bah ouais, mais pourquoi on peut pas? Elle est énorme. Ouh. Je croyais que ça tremblait, mais en fait, c'est juste moi qui ai fait craquer là. D'accord. Genre, mon dieu, c'est le boss du lit. C'est pour nous la chambre, c'est ça? Oui, c'est pas du tout un boss. D'accord. C'est Parappa the Reaper. Ah, tu vois. Parappa, Parappapa. Ah bah, pour vous. Et il y avait donc un autre jeu au Japon que j'adorais, qui était merveilleux. C'est un gros cube avec 9 cubes. Coup de côte, quoi, un cube. Et en fait, il s'éclaire et donc il faut appuyer dessus. Et ça, par contre, ça, c'est. J'étais très douée parce que. En fait, au bout d'un moment, il fallait juste mettre les coudes comme ça. C'était merveilleux. C'était trop bien. Alors, est-ce qu'il faut dormir? Faut déjà dévaliser la chambre. Ok, dormons. Souhaitez-vous faire une pause? Non. Non. Sauf si ça fait partie de la quête. Vous remarquerez que les chambres sont séparées. Donc les lits sont séparés. Oui, mais avec une bibliothèque vide. C'est vrai. Alors, toutes les quéquettes. Oui, mais je sais pas ce que je vois. J'ai pas écouté. En tout cas, ce qui est fou, c'est de voir, n'empêche, que Nier Automata, en 2 jours, le nombre de doujins et de fanfictions qui sont sortis sur les internets. Ah, ça, c'est l'effet culotte blanche, hein. Ah, mais je vous le dis. Ça a pas laissé les Japonais indifférents, je te le dis. Oui, c'est vrai que j'ai eu peur dans ma piole, attention. La petite musique cool. Et là, on va se coucher. Le dodo, oh mon dieu, faut se laver les dents parce que sinon on aura des caries. Oh non. Bon, il faut sortir du camp. Ah, merci Kino, c'est gentil. Parce que moi, à part faire ça, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Mais j'écoute rien. Je suis une mauvaise élève. Lumière. Ah oui, c'est vrai, le dash. Piouh. Faut sortir du camp. Ah oui, d'accord, déclarer, mettre un petit message. This is 9S. Go ahead.
I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Mm-hmm. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several units. Nous avons perdu contact avec plusieurs unités d'Yora qui faisaient route vers la surface. Leurs boîtes noires sont toujours actives. Nous pensons que ces unités, j'ai pas assez. Nous avons repéré la position d'un signal. Je vais aussi acheter des soins en fait avant. Vu que je les consomme un peu comme des bonbons. Alors, l'entrée du camp. Derrière. Là? Non, derrière, justement, il y a de la tôle. Ah ouais! Et après, je vous promets, j'arrête de faire n'importe quoi. Non. Tout droit. Tout droit, voilà. Et voilà, c'est bon. On y arrive, les gens. Qu'est-ce qui me vendait des soins? Non. Oui. Oui? Non. Oui! Bonjour, madame, je voudrais des soins. PS, c'est pour Kiriko Mori, tu veux péter un câble en découvrant ce personnage? Alors attends, j'ai pas suivi de quel personnage vous parliez. Il faut rester au campement, c'est la beauté, c'est sur les nerfs. Et ça fait peur, j'entends dans ta chambre, mais t'as peur, ouais, des Rubik's Cube, c'est ça le jeu. C'est un peu embêtant cette... Rubik's Cubes. Oh mon dieu! Oh je le veux! C'est où les soins? On l'a déjà. Ah bon? Oui, on l'a déjà. Ah ouais, dommage. Ah bah oui! Oh, j'ai plein d'argent, qu'est-ce que j'achète ? Il peut faire un marteau. Oh, on achète le marteau. On achète le marteau. Mais on n'a pas regardé ce qu'il y avait à côté. Oh, bah, toi. Oh, il y avait des lances. Oh, non. Je voudrais acheter des soins. Ah, merde. T'es où, les soins? Oh, j'ai pas assez de trucs. Fusionner des puces. Oh, mon dieu. Comment on fait? Comme ça? Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Donc c'était pas toi pour avoir des... Avec des gros seins, quoi? Je suis pas ce que vous dites et je tombe sur des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des soins? Ah... Allez. Moyen. On prend 10, comme ça on est tranquille. Attends, on va en prendre plein. Comme ça on est tranquille. C'est bon. Je me suis trompée de bouton. Ah. Nickel. Ça, c'est le signe d'un berserk, non, qu'il a dans le cou. Si on enlève le point. Mmh. Non? Est-ce qu'il ressemble pas à ça, le signe de berserk? L'autre marchand. Ouais, merci. Non, je suis désolée. Je vais y arriver, hein. Le tout, c'est d'y croire, Kino. Oui. Mais tu sais, mais... Normalement, je joue bien. Ah, mais je suis témoin, je joue bien. Hein. Mais pas ce jeu. Non. Pas encore. Voilà, ça met du temps. Par rapport au jeu dont Emmanuel parlait sur les cubes japonais. Tout à fait. Oui. Voilà, ça y est, j'ai compris aussi ce que tu veux. Oh là là, il y a un cadeau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est fou, hein. Pourtant, quand on regarde les textures, elles sont pas folles, mais c'est vraiment beau, quoi. Les textures sont pas folles, on dirait de l'huile d'olive plus que de l'eau. Mais c'est quand même super, c'est super beau. Super. C'est vrai, t'y crois, Kino, c'est gentil. Ah, le jeu qui veut pas que je passe par là. Parce ouais, il faut que tu regardes la carte. Ouais, je suis la carte. Je suis la carte. Donc par là, j'imagine. Très bien. Par là, droite. Ouais, première à droite. Un petit soin le jeu, juste pour être sûr que je ne me fasse pas tataner. Si, on dirait le signe de Versa. Merci. Pas folle. Tu n'es point folle. Alors, sur Netflix, il y a un truc qui s'appelle Film Berserk et ils sont en trois parties. Est-ce que ça veut dire... Ah. Non, c'est les films du studio 4C. Et c'est pas bien? Ça se grimpe ça ou pas? C'est comme dans Zelda ou pas? Est-ce qu'ils sont pas bien? Ils sont pas top, on va dire. D'accord, donc faut pas que je les regarde. Il y a un gros décalage entre les messages oui, et votre upload. C'est normal, c'est comme ça Twitch, Pico, c'est normal. Après, gros décalage, ça dépend. Moi, généralement, j'ai entre 10 et 20 secondes de décalage. Ça a l'air cool à mater. Bah, j'aime tellement ce manga que j'avais un peu envie de... Ah, il faut que j'aille dans le trou! Je peux aller dans le trou ou pas? Non! C'est à derrière les taux, tu peux aller. Non, mais je vais aller dans le trou. Mais il me semble... Enfin... Il me semblait que les films... En tout cas, si on parle du film qui a été fait en 3D CGI... Maybe we can get through from underground. Il est pas top. Elle descend.
les échelles d'une manière si classe. Alors, c'est vrai que full loot, le 4, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'était pas bien. C'est vrai que c'était pas très très bien. C'était rigolo, mais c'était pas bien. Par contre, tu pouvais changer les couleurs de tes lampes torches. Et ça, tu vois, jouer avec une lampe torche rose. La grosse puissance de Fallout 4, c'est que tu peux mettre des modes de tard. Quand tu l'as sur PC. Quand tu l'as sur PC, effectivement. Il y a ces modes. Parce que sur PS4, effectivement. Pas plus de 20 secondes de décalage, ça va. Non mais arrête. Alors ça va beaucoup m'énerver, je crois. Oui, toujours dans le trou, Pico, je suis d'accord avec toi. Oui, mais oui, bien profond. J'ai F5, ça reset le décalage local. Vas-y, à fond. Par contre, Iron Fuzz, c'est bien naze. Ça m'a pas du tout donné envie de le regarder. Eh ben, écoute. Écoute notre émission de la semaine prochaine, Kino. On va démonter la série. De ce que j'ai compris, Karel, j'ai l'impression qu'il a préféré avoir une guerre explosive que de voir ça. Mais il se l'inflige. C'est vraiment pas... Ah oui, toi aussi, Pico, t'as regardé? Oh là là, c'est beau le sacrifice pour le travail. Ah oui. Ah bah c'est trop mignon comme elle saute, on dirait un petit chien. Quoi? Je suis pas revenue au début, non, c'est vrai. Oh, c'est quoi? Il y a une tête. Arrête de me demander ça, j'appuie sur rond et à chaque fois... Ah, c'est comme dans... Pousse-toi. Oh, je sens qu'il va m'énerver, lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as chopé. Vous avez récupéré une arme. Non. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Alors on va la mettre sur l'ensemble 2. Vu qu'à chaque fois que je me trompe de bouton. Et ben. Oh oui. Hop. Oh, oh comme c'est joli. Des stocks bien ça. Alors, ah, un petit trou? Non. Est-ce que je suis... Oh, pourquoi il y a des chaînes? Tu sors de là, en fait. Ouais, il faut que je re-rentre et que je prenne l'autre échelle. Je pense. Lance! Oui, Grégoire. C'est de la lance. Si, c'est... QD? Si, c'est quand? Attends. Je sais pas... QD doit être un diminutif de c'est nul. Ah, voilà. Mais Pico, vaut mieux que la lance soit dure de toute façon parce que sinon ton ennemi tu le transverses pas. Les lances bien longues et bien dures. Tu sais quoi Pico, il faut que tu joues à Nier Automata. Bon, enfin oui, il faut que tu joues à ça, c'est pas ça que je voulais dire, mais il faut que tu joues à Nioh. Parce que dans Nioh, il y a des lances, mon gars. Oh, mais tu te ferais dessus, tellement elles sont belles. C'est quand l'émission sur Iron Fuzz? Dimanche prochain à 15h. Et t'as le replay juste après si jamais tu veux. Voilà. Voilà, moi, la dernière fois, je les ai loupés. Ça fait plaisir. Ouais. Et attention, petite news, allez. Je lâche un truc. C'est Walt Disney. Oh, c'est trop beau. Mais oui, c'est carrément Walt Disney. C'est trop mignon. C'est même Disneyland, exactement, ouais. Voilà. Putain, c'est énorme. Il y a un lapin. Et ils ont des costumes. Mais comment, on va pas les tuer? Oh non, tu passes à côté. On peut pas les tuer. Regarde-le, il balance des ballons. Non, mais alors attends, toi tu vas te mettre en mode passif tout de suite parce que tu vas les attaquer tous. Passif agressif, wesh. Ouais. Oh, regarde. Non, mais je suis désolée, on peut pas les tuer. Ça fait partie de l'histoire de les tuer. Non, mais je veux pas les tuer. On s'amuse. What the... Wow, this is weird. Je veux jouer à Nioh. Ouais, mais je te dis que je te le filais, c'est bon, je vais patiner. La seule condition, c'est s'il y a un DLC, je le récupère, mais... si tu veux, je le laisse là et tu peux même y jouer demain, etc. Oh, la musique est trop bien. Ouais. On peut danser? Est-ce que vous m'attaquez? Non? Bah, je vous attaque pas. C'est fabuleux. Oh mon dieu! On dirait, tu sais, des Robotnik mignons ou alors des Boozer. Mais... Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, regardez les vidéos de Yoko Taro avec son masque sur YouTube. Franchement, vous allez comprendre pourquoi ce jeu il est comme ça. Toi, tu vas te mettre en mode passif. Oh mon dieu, vous découvrez mon vrai rire! Ça y est. Non mais attends, ils sont trop mignons. Vous êtes vraiment mignons. Mais comment? Tu me spoil des trucs. À
Elle a un peu d'avance. Mais sinon, fais le fameux F5. Le F5 de la destinée. Bien connu des... Oh mais regarde. Moi aussi je veux faire ça. La Corée est géniale. J'ai reçu un message. Oh mon dieu. Je peux te parler? Comment vous portez-vous? Bah bien. Mais je peux te donner un truc? Ah non, je crois qu'Aurichua c'est juste qu'elle est en train de prendre les habitudes humaines en fait. Ah, trop mignonne. Non mais je veux jouer à ce jeu, je veux vraiment, je veux acheter une PS4. Bah, le plus simple, c'est qu'on se fasse une binouze tous ensemble, tu vois, et qu'on lance. Faut venir sur le canapé, Kiriko. On vient, on joue à Nio, on joue à Nier. Oh mon dieu, on peut tout ça. Vous êtes un employé? Ah non. J'espère qu'ils attaquent pas le point de sauvegarde parce que tant pis. Il y avait un truc au-dessus. C'est vrai? Ouais. Oh mon dieu! Juste à droite. Oh! Voilà. Pas mal. Tu regretteras pas, Kiri. Tu m'étonnes. Mais vas-y, Kiri, fais ça et on poule nos maigres économies pour t'acheter des jeux. Bah non, je mets mon compte sur ta PlayStation et t'as ouais, des jeux. Ouais, c'est clair. Coucou! Oh, mais. Je peux te parler? Il a l'air tellement paisible. Peaceful. Ok. C'est la résistance avec les têtes de robots, c'est ça? Vous savez ce que ça me rappelle? C'est quand sur les jeux de survie, je sais pas si vous avez joué beaucoup de survie, genre Daisy tout ça, et que vous voyez un autre mec en multiplayer et que vous lui dites tout de suite, qu'est-ce qu'on disait déjà? On dit pas peaceful, mais on dit un autre truc. On disait on disait un mot bien spécial pour dire friendly. Tu veux voir ma caquette? Non, on disait friendly, et en fait tout le monde se tuait. Et là, au final, tu vois que c'est des robots et on est friendly et ils nous tuent pas. Donc au final, les robots sont peut-être plus humains. Ça c'est un truc pour moi. Oh oui, plateforme magnifique. Alors Crash Bandicoot en juin, remasterisé toute la trilogie. Je vous le dis tout de suite, ça va être trop bien platiné, hein. Ouais. Et j'annonce notre titouan, magnifique titouan, va faire un stream marathon de tous les crashs avant que ça ressorte. Ah oh ouais. Un énorme chance. Stream de 24 heures, je pense. Alors attends, j'ai fait tout ça pour parler à lui. Ah, ferraille danger. Ouais, mais je vais y aller quand même, je suis désolée. Oh mon dieu, il y a un chat. Mais... Ce serait pas une référence à Metal Gear, ça? Non, non, non. Ah, c'est possible, hein? Non, je pense pas. Bon, c'est décidé, j'achète une PS4, mais vous avez l'obligation de m'acheter des jeux et de jouer avec moi. Modérateur. Enfin, me les prêter, ça me va aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai plein de conneries à te prêter, en pas dématérialisé, donc en physique. Comme ta. Oh mon dieu, regarde! Je sens qu'ils vont me défoncer à un moment donné. Il va se passer un truc. Oui, parce qu'on voit déjà qu'ils balancent. Oui. À mon avis, ça sera des boules violettes ouais. Ensuite. Et que ça peut exploser. Genre, ouais. Attends, je peux monter dessus. Salut! Il va falloir finir par les taper, je pense. Non, mais je veux pas, moi! Je suis trop heureuse ici. Et à mon avis, il faut que tu commences par un mec tout en haut. Non, 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 mais non! Voilà, les escaliers. Allons faire. Ouais, Crash Bandicoot, ça va être merveilleux. J'ai trop hâte. Mais les images qu'ils ont montrées du remaster ont l'air vraiment cool. Après, je suis pas non plus un fan des remasters en général, mais là, je dois avouer que je suis hypé. Ouais, franchement, ça va être. Bah, non seulement ça va être bien, mais surtout. Oh, oh, oh. Surtout là, il y a vraiment un vrai. Oh, attends, oh la vache, oh la vache, oh la vache! Oh, oui. Le coaster! Bah, généralement. On dirait le tank d'Harley Quinn, tout à fait. Oui! Oh mon dieu! Mais ça me. Généralement, quand on va voir un jeu vidéo, tu as un moment avec des rails, c'est jamais bon signe. Non, mais là, c'est juste. Oh, on lève les bras! Ah, eux, ils ont oh mon dieu! Non, non, mais non! Non, mais. Non, mais je veux pas. Mais c'est bon, t'es dans un safe spot. Il
It's totally okay. Alright. Ah oui, non, d'accord. C'est pas prévu ça. Pourquoi ? Depuis quand je dois vous tuer ? Tout s'était bien passé entre nous. Mais non ! Mais pourquoi ? Et ben voilà, c'est reparti. Mais j'ai voulu juste. Aïe, je t'avais pas dit. Il va falloir peut-être se mettre un peu de temps. On aurait pu survivre sans les tuer. Ouais. C'est que. Je suis sûr que ce jeu, en fait, on peut faire ça tout le temps. Enfin, sauf quand t'es dans une arène. Oui. Oula. Alors, ça, Kino, tu m'avais dit que c'était quoi, en fait, déjà, j'ai oublié. Au niveau de la. Je sais même pas si tu me l'as dit, en fait. Hein, mais... Oh mon dieu, il faut taper, t'es dans une safe space. Non, pas trop. Non, pas trop, mais je me suis pris une boulette. La fameuse boulette. Oh non! C'était normal. Oups. Rangez vos armes. Rangez. Putain, on dirait vraiment un enfant de 12 ans allemand, quoi. Qui va pêcher des moules avec sa maman. Vous jouez en ligne? Oui, on joue en... Non. Je sais pas. C'est un boss, donc. Je sais pas si on joue en ligne. Non? Oui. 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 Sûrement. Oh là là, avec les corps comme ça, là, c'est fabuleux. Oh mon dieu, le fin spectacle. Ça serait pas le boss qu'ils nous ont montré dans le à l'E3 ou quelque chose comme ça? Attention, mais non, mais je veux pas la battre, je veux la regarder faire son spectacle, moi. Oh, et franchement, c'est fabuleux. C'est pour ça que je veux jouer à ce jeu. Ouais, là, il faut apprendre les phases. Ouais, je vais regarder, bêtement. Ok, donc là, t'as fermé ta robe. Là, t'as ouvert ta robe, parce que tu vas me balancer les boulettes. Tu fais pas de dégâts, Est-ce qu'il faudrait pas taper sur la personne? Non, ça fait 5 quoi, mais. Ouais, c'est effectivement rien. Faut attendre le bon moment de taper, mais quand est-ce que c'est? Là. Oh! Oh, alors là, oui. Là, ouais. Oh. Fabuleux. Quoi? Ah, mais je l'ai pas touché! Il est pas touché! J'ai pas touché! Faut être là! Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un méga son. Wow! Est-ce que 3? J'ai des 30. Sinon on croise des cadavres d'autres joueurs, génial. Ça c'est cool. C'est la petite feature qui est pas si utile que ça mais qui ajoute un petit peu de. Et tu récupères leur stuff ou pas du tout? Si tu t'es pas. Non, j'ai appuyé sur toute l'esquive. Oh là là, j'ai défoncé quoi. Ah ouais. Ah, dès qu'elle lève sa robe, c'est quand même vachement plus mal. Non, sérieusement. Faut que t'esquives, vraiment, tu tapes les esquives. Ah, allez. Qu'est-ce qui se passe, la caméra? Allez, on tourne. La caméra. Ah, à mon avis, c'est normal, je pense. Ah non. C'est en mode. Ouais, faut être ultra réactif. Mais non, mais j'aime pas comme ça, je veux la voir, elle est où? Tu sais que tu peux taper pour casser les couilles. Ah oui. Voilà. Par contre, les grosses boules, elles sont. Ah non, celle-ci, je peux pas. Ouais, je peux pas faire de choses. Tape les boulettes! Tape les boulettes, moi! Tape les boulettes! Ah, mais non, mais j'ai pas la bonne arme! Attends. Tu veux te calmer? Ouf! Attends, mais. Parce que là, le boss, on a toujours pas compris où fallait taper, là. Je sais que c'est sous sa jupe, comme toutes les filles du monde, mais à part ça. Oula! Ah, peut-être que là. Regarde, j'ai enlevé un peu. Ouais, mais quand même, j'étais limite à un peu, genre. Wow! Énorme! Qu'est-ce qu'il faut faire? Énorme! Qu'est-ce qui s'est passé? If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. C'est génial! C'est génial ce jeu! To me. Qu'est-ce qui s'est. Vous jouez en ligne? Ok, sinon, non. Tu peux prier. Pour leurs âmes qui vont leur donner des PV. Ah. Oh my god. Oh my god. Mais qu'est-ce que. Oh non. Il hack ta caméra. Quel enflure. Are we seriously being attacked with Android? Wait. I don't think. Okay,
Je sais pas s'il faut tous les tuer, mais je le fais, hein. Ah mon dieu, je pense que oui, parce qu'ils ont ouvert la bouche. Mais ceux d'en haut aussi? Bah moi je serais toi, je le ferais aussi. Tu t'obtiens des golds, de toute façon faut le faire. Ramasse les trucs par terre, hein. De l'argent! De l'argent! On tue! Ah, j'ai pu ma caméra! Non, mais vous imaginez jusqu'à quel point ce jeu nous fait faire des choses qui sont pas très agréables. On tue des cadavres pour de l'argent. On tue des cadavres pour de l'argent. Voilà. Oh là là, les AOE sont magnifiques quand même. Ce jeu est vraiment. C'est une réussite. J'aimerais beaucoup récupérer ma caméra d'avant. Et Pico! J'ai été follow par Yoko Taro. Je sais pas si tu l'as vu dans le groupe, je l'ai mis. Oh, Tarba. Bien joué. Oh, le réflexe. Ma caméra, mais rends-la moi. Attends, il est là. Ok, d'accord. Fais des trucs. Occupé. Des boulettes. Ça va, c'est facile. Bah Yoko Taro c'est le créateur du jeu, Pico. Oh, qu'est-ce qui me... Ah mais vous êtes là vous aussi. Sérieusement. Wow. Oh la vache. Alors là ça devient un manic shooter de l'enfer. Mais il y a des safe spots, faut juste les checker. Ouais. Voilà. De toute façon tu peux t'entrer. Alors arrête de m'envoyer des trucs toi là-bas. Toi, non. C'est parce que... Oui. Oui Pico, en gros je lui ai dessiné une petite BD en 4 cases. Parce qu'il s'est créé un personnage. Oh non. Alors là ouais, faut se mettre bien loin. Ah là là, bien joué. Attends, il l'a récupéré, hein. À vous. Je le sens. Oh. Et donc du coup j'ai fait une mini BD, un Young Coma. Et ça lui a plu. Et donc du coup c'est cool. Ouais, exactement. Et je l'ai appelé justement Yoko Yonkoma. Non mais tu peux me laisser récupérer les trucs par terre. Alors là, je pense qu'on peut voir la transformation du boss qui est vraiment épique avec du feu partout. Désarticulé, c'est extrêmement appréciable. Arrêtez de me tirer dessus, bande de... Arigato kusamashita, Pico. Pico-san. Oh la vache! Si tu pouvais arrêter de chanter. Oh oui, tu lui fais cher là, tu lui mets cher. Oh! Oh la tonne, je pense que t'as pas. Ah non! En fait, plus tu recules, moins c'est bon, je crois. Ouais, bien sûr. Avec cette phase là. Si tu fais. Ça m'attend pas. Ouais, quand t'es trop proche, ça devrait pas, je crois. Ah, tu lui fais bien mal là. On va faire l'attaque de Link. Ça sert à rien. Non. Oh non. Je sais, j'en suis sûr. C'est ça. À mon avis, ça, il faut l'esquiver et ensuite enchaîner tout de suite avec une attaque spéciale. Carrément. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. On va lui tataner la jupette. Mais d'accord, et les autres trucs, ils en envoient aussi. Ouais. Oh le bâtard. Ah, t'as mais c'est super dur. Oh la vache, bien joué. Oui, là par contre j'ai de l'épilepsie. Donc là il faut taper. Allez, vas-y. Et dès que le truc te sort un. Ouais. Sérieusement ? Oh le bâtard ! C'est très très dur à contrôler ! En fait c'est ces machins. Et là. Oh ! Oh, c'est en mode c'est alien ! C'est dégueulasse ! Ouh ! Attention ! Là c'est bon, j'esquive ! Pas le deuxième ! Oh la vache ! Mais c'est complètement épique. Ah super. Oh non. Ah c'était épique quand même. Oh là là. Oh bien joué. Ah la concentration. Mais il y a trop de trucs. Oui, là tu lui mettais. Aïe. Oh putain. La vie.
Ah, faut pas aller, faut parler, ça me fait bouffer par le mec. Oh le bâtard. Oh mais putain. Oh là là, oh là. Oh non. Non. Ah la vache, c'est pas facile hein. Oh, faut que j'aille récupérer mon corps. Oh, tu peux modifier. Un pauvre agneau n'a pas su son... Oh mon dieu, il y a eu trop de choses décrites. Fabuleux. Ce boss là... T'as vu? Ouais, je sais, je suis comme ça quand même. Ah non, mais c'est dégueulasse. Elle a un membre gigantesque en dessous de sa jupe. Tu veux essayer? Je n'y arriverai pas. Clairement. Je n'ai pas les contrôles dans les mains. Je pense que c'est une catastrophe. On va la défoncer, moi, je vous le dis. Moi, ah oui, non, mais j'y crois. Mais il faut juste que je récupère... Ton petit corps. Tu penses? D'après ce que Kino disait, je perds tout mon stuff. J'ai plus d'armes là, je crois. Non. Ah si. Ouais, comme je suis dans une zone de boss. Ah, peut-être c'est peut-être comme que... c'est une zone de boss, ouais, effectivement. C'est... Mais ça, il faut les défoncer parce qu'en fait, ils. Mais oui, c'est eux qui me hackent. Ouais. Ah ouais, c'est eux. Ah ouais, c'est quand je... c'est quand c'est leur truc qui me touche. Ah, ok. Ok, c'est bon. Elle est où là, madame? J'ai l'impression que je reprends la deuxième phase. Ouais, je pense aussi. C'est sympa, ça. Vie, ok, j'ai plus de caméra. Combien? Il y en a encore qui... Ça repop. J'ai plus de caméra. Je vous jure, c'est pas moi qui choisis cet angle. Hein. Oh mon dieu! Mais ça repop tout le temps. Ah. Bah là, ouais. Mais d'accord. Aïe. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui m'a... Aïe. Je peux pas tourner la caméra, c'est une horreur. C'est génial. Ce jeu est génial. Ah, c'est pas facile. Allez, le dernier. D'accord, j'ai compris. Ok, je suis à la moitié de sa vie. On a du soin. Donc là, on sait qu'il faut vraiment attaquer sa jupe. Ouais. Je crois que vous avez ramassé ça. Attention. Oh là là. Oh, ça fait bien mal. Aïe, aïe. Ah, ils sont revenus. Hop là. Allez! Je crois que j'ai touché. Bah écoute, je sais pas en fait quand tu prends les gars. À mon avis, il y a moyen que tu perds le piratage. Mais ils disent que ça affecte ton corps. Boum! Des boulettes! Des boulettes qui rebondissent! Des boulettes! Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un petit peu le... Bah forcément après c'est le côté Manic Shooter mais... Ah, je suis dedans ça fait... Fury. Ah! Oui, tu étais dans ses jupes, tu étais sous les jupes de ta maman. Voilà. Voilà. C'est ça la maman là. Oui, oui, Yuki Kajura effectivement. Ouais, Kiri. Il utilise de la rame. Ah, ah ouais, l'enflure. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a là-bas. Oui, oui, oui. Ah, effectivement, ça passe en mode 8 bits. C'est vrai que c'est sympathique. Bien remarqué, Kinga. En revanche, moi, je voulais revenir sur ce qu'avait dit. Comment il s'appelle? C'était Amo qui avait fait la critique avec Karel de Nier lors de l'émission dernière. Il avait dit que c'était très Kenji Kawaiiesque. Je suis pas du tout d'accord. Ah là non. Bah, pas du tout. Enfin, moi ça ressemble pas du tout à Kenji Kawaii. Bah, il y avait que le début qui ressemblait. Ah merde. Est-ce que. Il faudrait. Il y a un achievement, je suis sûr, faut tuer tous les mecs derrière. Ah, ouais. Je suis sûr. Kino, est-ce que je me débrouille bien? Ah putain, mon petit sac. Aïe. Ah dur. Oui, effectivement, ton petit truc il se désagrège. C'est très compliqué de. Putain! Non! Oh là là, c'est chaud. Non, vise pas. Enfin, si, vise lui parce que là, ils vont pirater. Ah! C'est chaud, hein, c'est. Aïe! Là, t'es vraiment t'es sous tension tout le temps quoi. C'est simple pour se mettre de la vie ou quoi les filles? Ouais si. Okay. Non mais je crois pas. Ouais, y'en fait, a un là-bas qui te démonte. En fait au final la grosse arme que t'as acheté elle sert à rien. Bah là je l'ai pas encore essayé. C'est vrai que j'ai pas essayé la lance. Ni la lance. Oh, oh la vache.
Alors là, faut, là, c'est le moment où ça devient hardcore. Oh, bien vu. Alors, mais reste pas venir, reste à trois côtés, ça risque de te péter. Ah! C'est bon. Voilà, tu peux sauter. Bien vu. Là, bon, il faut rester loin. Ouais, il fait ça, faut pas trop. Faut pas trop se faire sauter sur la gueule. Donc, ça enchaîne, bien vu. Ah! Oh, ouais, l'esquive! Bien vu! Oh oui! Oui! Là, il y a du léger dans l'air. Ah non! C'est dur. Non! Double dur. Oh la vache. Oh la vache, oui. Ça enchaîne les esquives et les contres. Et là, on se prend un coup, c'est un non. peu dur. On y croit, là, il reste plus rien là. Oui! Allez! Folle. La grosse épée est balèze en fin de combo. Ouais, c'est ce que j'utilise en fin de combo pour venir sur elle. Tout à fait, je suis obligée de recharger la page toutes les deux minutes. Non. Est-ce que c'était Mario et Peach? Il y a Pico qui dit qu'il est obligé de recharger la page toutes les deux minutes pour. Eh bah écoute, c'est un peu étrange parce que je suis désolé Pico, ça doit venir de ton côté. Tu regardes sur quel navigateur? Oui, on a un décalage de quoi, de 20 secondes. Ouais, oui. Oh, you mean the hacking? Non, mais si t'es obligé de recharger la page parce que ça bug ou parce que tu as un décalage. Pardon. Je suis désolée. Mais t'inquiète, t'as pas à t'excuser. Je me mouche parce que ça coule dans ma bouche sinon. Gambate kudasai. La chaleur, ça va même faire tomber un bouton de la chemise là. Pourquoi il y a Pico sur l'écran derrière? Parce qu'en fait j'aime beaucoup avoir Pico sur l'écran. Pico, il y a ta quéquette sur l'écran de Hyperlink, j'espère que t'es au courant. Enfin pardon, de ton énorme clitoris. Et je regarde le micro maintenant, ce qui m'intrigue beaucoup. Non, arrête de me demander des trucs, je veux ramasser. Est-ce que c'est tous les gens qui sont morts? Leurs circuits sont fried. Je pense qu'ils étaient seulement gardés vivants par cet ennemi. Oh. Mais en même temps, c'est plutôt la vidéo qui freeze. J'ai Safari pour enfants. Oh, bah écoute, c'était trop beau. Bah il était pas trop beau, ce boss. Il était génial. Et alors, pourquoi moi j'ai pas des gens, vu que là j'ai gagné, pourquoi j'ai pas des GG, des ouais putain t'es trop forte. Ouais, j'avoue, tu moi j'aurais jamais fait aussi bien. Voilà, c'est ça. Hein, un petit GG de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Voilà. Parce que bon, d'accord, je suis morte, mais une fois. Et oh regardez, c'est moi. Oh, ah, tu récupères la ferraille. Et ah non, et les puces aussi. Ah, je comprends pas. J'ai pas compris. Ah mais attends, t'as Oh, j'ai un trophée. Oh. Ah, j'ai un trophée, la danse du trophée. Wouhou. Essaye de suivre. Alors, mais t'avais pas un marteau? T'étais pas acheté un marteau? Ah si, mais je l'ai pas mis sur mon pod. Je l'ai acheté. Mais je l'ai pas mis. Comment on fait pour le mettre? Ah bah alors. Toi, je vais. Oh, je sens. Hop. Non. 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 Ouais. Ah. Oh. Oh là là là. T'as fait quoi alors? Non, faut se dire en mode grosse attaque. Attention. Oh. Oh, oh yo, 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 yo. Bravo Emma. Ah merci. Merci Pico. Tu n'es morte qu'une fois. Oui merci, je sais. Je suis pas morte d'abord. Je sais pas, ça coupe le son un peu chez moi, mais ça doit être à cause de mon gros clito. Faut pas le mettre sur le clavier, Pico. Je t'ai déjà dit. Mais on y revient toujours à ton clito, Pico. C'est... Attends, mais y a pas un truc sur la scène? Non. Ah, non, parce que ce sont des rideaux en béton. Bah, c'est bien connu. Mais tu sais qu'en vrai, les rideaux de scène, c'est extrêmement lourd. Ah, c'est très lourd, mais tu pas à ce point. Oui, mais c'est vrai. Mais tu les déplaces pas aussi facilement. Non, d'ailleurs, c'est très dangereux d'être en dessous. Oui. Ça bah, tu fais balayer, en fait. Bah, en fait, tu fais... Ils sont là genre, pousse-toi. Ok, je sais pas où, mais je me pousse. Va dans puce, fonctionnalité, dans menu. Oui, c'est exactement ce que je devais faire, mais j'ai continué à avancer. Alors, composants. Puce de fonctionnalité. Équipé, personnalisé.
Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors, ça c'est faire... Oh mon dieu, c'est tout ça qu'on peut... Ça marche comme sur un ordinateur qu'on remplit de films nuls et qu'on sait pas comment les supprimer parce qu'il y a iPhoto qui fait des doubles. Kiri, on en vient bientôt à ta bite. Pour l'instant, on est sur les puces. Et les clitoris. Oui, mais regarde, tu parles pas assez de ta quéquette, ça veut dire, Kiri. Oh, Pico! Pico est passé à l'instant. T'as Amazon Premium, toi. T'es passé Premium, mon ami. Top. Alors, attends. Jauge de PV. Allez, vas-y. Déplacer. Retire. Ah non, ça, c'est celles qui sont mises. Ah. Oh, j'ai de la place. Ouh. Ah, pas beaucoup. Oh, mais attends, il y a des trucs dont je me fous royalement. C'est quoi ça? Parce qu'il y a marqué en bas, d'accord. Le système central d'un... Il est vital. Ok, on va pas j'y touche pas. Affiche la jauge PV du joueur. Ouais, ouais, bon d'accord. Quand même. Affiche la jauge de compétence. Ça, on s'en fout. T'es sûr? Mais oui. Affiche le niveau et la... Non, ça, on va garder. La carte, oui, j'en ai besoin. La destination, oui. Le journal. Ah bah... Ah, je sais pas, Léa, virer parce que tu fais des doubles. Énorme. Il a une couronne, Pico. Ouais, moi aussi, une couronne. Bah écoute, je pense quand même qu'il faut pas enlever les points de sauvegarde. Ça serait un peu con. Oui, non, on va les laisser. C'est pourquoi, c'est à quoi les couronnes? De quoi vous parlez? Il y a des trophées qu'on peut avoir sur Amazon. Je vais platiner Amazon. Faut tout acheter. Ouais, non, ça, il faut laisser. Alors, où est-ce qu'elles sont les choses que j'ai pas mises? Ça veut dire quoi, toutes ces couleurs? Je crois que ça, c'est tu l'as pas mis. Alors, attends. Voilà, tout ça, j'ai mis. Voilà, et à partir de là, j'ai pas mis. Si, ça, c'est mis, ça, ou... Non. Et donc, ça prend beaucoup de place, parce que c'est très cool. Attaque âme 17. En même temps, ça a l'air trop cool. Je sais pas quoi choisir, il y a trop de choses. Une couronne sur son gros clitoris. Tu vois, c'est toi qui en parle, c'est pas... Bah, moi, je vais pas platiner la mise, tu m'étonnes. Je sais pas quoi faire, comment on fait pour améliorer sa rame. Sous forme de PV. Après 6 secondes sans dégâts, ça va pas m'arriver souvent ça. 21 à la distance. Ouh, ça je veux. Nice. Ensuite, vitesse de déplacement, non. Vitesse de... Non. Non. Mais attends. Provocation. Bon. Objet aussi peu. Ah, c'est pas con. Vu que je suis un peu nulle à ça. Ouais, ça met tout le temps des soins en fait. Moins de 30%. Donc généralement c'est quand j'utilise mes soins, de toute façon. Ouais. Allez, vas-y. Et on met un truc d'attaque. Est-ce que j'en ai un qui est moins violent que lui? Ah, mais après, en gros, je t'explique comment ça fonctionne. Il faut que tu déplaces les trucs. Ah ouais. T'as une gestion d'espace. Oh. Alors attends, toi je vais te déplacer. Je vais te mettre là. Ok, donc là c'est le moment chiant en fait. On vous explique. Oh là là, et en plus c'est tout petit. On peut pas zoomer. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Voilà. Hop. Non, mais... Il y a mon portable qui croit que je lui donne des ordres, mais je ne donne pas les ordres. C'est le Google qui croit que tu lui parles. C'est ça. Mais je dirais du tout en vrai. C'est quoi les lignes grises? Est-ce que... Les lignes grises, c'est les lignes inoccupées. Oui, mais les gris foncés. Gris foncé, ça? Oui. C'est, non, c'est, au-dessus, tu vois, entre les deux jaunes. C'est juste pour dire qu'il y a une séparation entre les deux trucs. Bon, ça, je peux pas le mettre, en fait. Ça, je peux le mettre? Qu'est-ce qu'on peut enlever qui est nul? C'est quoi, ça? Cache automatiquement en fonction des circonstances. Tu peux optimiser auto. Ah, ok. Alors, attends. Comment fait Kino? Système. Oh là 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 là, ça a l'air compliqué, mais ça a l'air... Ah oui, il y a marqué optimiser dessus. Oh mon dieu, tu peux faire trois types de trucs. Tu peux faire un spécial défense, un spécial... Bon, je vais vous épargner ça parce qu'on ça va pas du temps, tout ouais, faire ça encore. Ça va prendre du temps. Et il est 23h03. Ah. Il est 23h03, les gens. Dis donc. Ça fait 3h06 qu'on stream. Ouais. Bon, on fait encore quelques minutes quand même. On va jusqu'à 23h22.
23h17. Oh regarde, je ne suis pas un ennemi, tu as un drapeau blanc, bah ça se voit, t'es trop mignon. Ah bah oui. Vous avez vaincu une lame défectueuse, vous avez sauvé nous. Oh tu lui parles pas, je te préviens qu'il y a une machine aussi, petit ouais, con là. 9S ou 9B là, je sais plus comment ils s'appellent. Je vais l'appeler Féfès, parce que c'est 9S. nous allons vous remercier, venez au village. Je te suis, mais non c'est pas un... Oh. Je te suis. Ouais. La belle oh là là. Musique, le gros dildo. Non mais. Oh mais il est tellement mignon. Mais ce jeu est mignon, c'est bizarre quand même. Mais je pense que c'est comme je te dis, c'est fait exprès. Il veut nous dire quelque chose à travers cette mignonne. Ah bah il veut tout simplement nous dire qu'il faut pas tuer les gens quoi. Ouais. Quand ils t'attaquent pas, si on m'attaque. Je suis désolée, il y a des coffres, j'arrive. Oh c'était la petite fille. J'arrive. Y a pas notre coffre. Bonjour le gros, salut Pégo. Pico, toi tu fais. Pico, il a un fire. Oh cool, tu peux aller vite. Pico. Si t'avais mis une puce, t'aurais une vitesse de déplacement. Tu peux aller loin. Quand c'est en but 2D, tu le vois en fait quand t'as vraiment des possibilités. Genre... Tu t'y connais en fait, Piggy. Oh regardez comme c'est joli. C'est des mythiques. Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon and above. Ah, d'accord. Ah oui, alors oui, je suis abonné à des communautés parce que comme je les ai platinés ces jeux-là, on demande beaucoup mon aide. Et d'ailleurs, il faut que je fasse le DLC de wow. Le dérapage du loot. C'est comme dans Diablo, je fais ah, j'ai oublié de l'or. Voilà. On voit que tu es habitué à ces petits détours. Ah ouais, non, mais surtout oh c'est... Non, mais tout... T'inquiète. Oh, oh, oh. Là, t'as sauté dans le vide, hein. Non. Tu t'es appuyé du vide. C'est pour faire des toilettes. C'est le monde des pirates. J'avoue. Disneyland, tu... Wow. Hop. Tu m'étonnes, si Sonic avait été fait avec un vrai environnement comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas mouru. D'atroce souffrance. Cette discussion sur le chat, s'il vous plaît. Oh un trophée avec des. Oh et il y a un robot qui est différent, qui a vraiment une gueule différente. Ouais, ils sont trop mignons. Mais tu comprends tellement pourquoi ils ont tous la même tête. Ouais. C'est des gentils, quoi. Ils essaient d'être comme nous. Oh, ils sont tellement mignons. Ça me fait beaucoup penser à Bayonetta dans le. Je me demande dans ce qui se passe qu'il y a si entre tu les combats. Oui, bah... oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je me demande ce qui se passe si tu les attaques. Non, je veux pas les attaquer. Non, je veux pas changer de stratégie. Tu me saoules avec ta stratégie. Bonjour. Oh mon dieu. Salut. Toi, tu te tais et puis on va leur faire confiance. Moi, je suis pour les machines. Il s'appelle Pascal. Est-ce que ça a un rapport avec le pari de Pascal, quelque chose comme ça? Ah, moi je pense que ça a un rapport avec Pascal, le grand frère. Ah oui, évidemment. Tout simplement. Allez voir comment vont les villageois. Comment tu vas? On dirait un village de Ni no Kuni. Oui. Ah, fabuleux. Les musiques, je sais pas si vous entendez les musiques là qui sont... Ah, à quelle musique ça me fait penser? C'est trop mignon. Ces petits cœurs d'enfants là. Ah, les. Dans Hook? Oui, ouais, moi j'aurais pensé plutôt au château dans le ciel, tu vois. Ah, ouais. Ça fait très Pompoko, tu sais, quand il, oui. Il t'a tous les. Enfin, oui, ça fait Miyazaki, quoi. Ça fait une japonais. Et vous allez bien, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Non, oh, tu me saoules! Ouais, l'OST, moi je vais me la prendre, je pense. Peut-être que si je m'achète pas le jeu, je m'achète quand même l'OST. Qu'est-ce qu'ils sont mignons! Donne-moi l'objet qui est dedans. Ouh, lui, j'ai envie de le claquer contre un mur. Je m'en fous que tu sois agressif ou gentil, fais ta vie. Comment je fais? Ah oui, d'accord. Les cœurs d'enfant, c'est très Kenji Kawaii. Non, Kiri.
dans à part à la limite dans ses, les musiques qu'il a fait de comment il s'appelle de ah des de l'adaptation animée de parce que c'est lui qui a fait les musiques de Ranma 1/2 à part là Ghost in the Shell, il n'y a pas de cœur d'enfance. Ah non, non, non. C'est des cœurs, c'est inspiré des cœurs bulgares à la base. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? À mon avis, il faut trouver une clé. Non, je veux taper dedans ! On pourra peut-être y revenir après en New Game Plus. Ah, il faut forcément que je le fasse. Dans ce jeu, j'ai pas droit d'aller dans des grandes arches. J'ai pas droit de descendre si j'ai pas une échelle. Bon, c'est bon, j'ai vu tout le monde, t'es content ? Ok, je peux pas. Michel. Ouais mais c'est oh, des, c'est oh, des... Oh, ouais. C'est pire que croix dans Final Fantasy quoi. Oh. Je me demande si tu peux les attaquer ou pas. Tu peux les attaquer techniquement. Non. Tu peux leur non, frapper non, dedans. Non non non. Ah moi je serais tenté. Ça c'est petit poupou, ça c'est poupi, ça c'est pouic pouic, ça c'est poutou, c'est ça c'est un, ça c'est pouic 2. Ah ben bah moi je veux la fin où ça fait oh vous êtes trop quick quick avec vos amis. Oh. Oh non mais moi je vais détruire l'humanité puis c'est tout. Je m'en fous de les humains. Elle a besoin d'un filtre. Donc de vous carburant. Entendez la voix d'Amori. Bonsoir. Voilà. Il est là. Je suis la voix. Quel est notre challenge la voix. Bah c'est de sauver l'humanité normalement donc c'est prêt le cheveu. Je vais la détruire. Ouais, mais moi, salut Amour, je te tourne. Oui, oui, Pico, oui. Hi Pico, how are you? Ah, ah là, là. Français. Ouais, alors d'ailleurs, le jeu est en d'ailleurs, anglais. D'ailleurs, je pensais à un truc, franchement, Zelda, Breath of the Wild. Il y a un petit personnage tout mignon, s'appelle Pico. Oui, c'est dans le village Cocorico, où elle mérite. C'est pas Cocorico, c'est. C'est le mérite, là, elle mérite. Elle mérite. T'en es où maintenant? On peut se TP ou pas? Est-ce qu'on peut se TP dans ce niveau, dans ce jeu? Non. De toute façon, je pense qu'il te l'aurait dit si tu pouvais te TP. Et alors, on a remarqué qu'on prenait des niveaux et tout ça. Je fais quoi avec? Il est kéblo, le mec. Oui, il est. Notre fesse, il était kéblo. Bonjour. Oh, elle a un petit nœud. Oh non, elle a un nœud. Elle, je vais l'appeler Mini. Mini, Mini. Oh. Mais tu sais qui me fait penser à. Oh, comment elle s'appelle la nana de Donald Duck Prout. Prout Duck. Daisy et... Still, it's pretty funny to hear. Regarde-le sur son échelle, le petit. Oui, oui, oui. Alors, maybe. Mais donc ça... Ma serviette va devenir ici avant de choper une carte. Puis là, les voix sont très robotiques, on entend des voix très robotiques. Tiens, 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 j'aime beaucoup. Kino, comment je fais pour prendre mes levels? Pour faire genre plus mal. Tous ces trucs, quoi. Comment je fais pour partir de putain de village? Oh, oh alors là, lui, le salut fat. Toi. Oh, regarde, il est au niveau de la. Au niveau du zizi. Oh, il a un clito qui bouge. Pico, regarde, il fait comme toi. Oh. C'est Pico en fait. C'est notre Pico, il est grand. Il est très grand, mais il a un gros clito. Ah oui, ou un gros. Ouais. je voudrais sortir de cet endroit. Je sais pas comment faire. En fait, ça monte tout seul en tuant des monstres, apparemment, pour les niveaux. Ah d'accord. Comment je fais pour partir de là? Je suis arrivée. Ah si, je suis arrivée. Je suis pas sûr que ce soit la solution. De partir? Ouais. J'ai fait un. Est-ce que c'est la solution? Pico, est-ce que c'est la solution? Ah, quoi que. Attends, si, on n'est pas passé par là. On est pas passé par là. On est arrivé par là, effectivement, sur les. On coupe des herbes. Oh, j'ai trop l'habitude de jouer à Zelda. C'est pour ça que je trouvais que ce. Oh là là, que ce petit village méritait notre attention. Oh la vache, c'est beau. Oh, j'ai envie de sauter. Alors, t'as un mec, il a justement, en vidéo, il a réussi à sauter sans mourir. Ah ouais? Et en fait, en bas, il y a des monstres, il s'est fait one shot, par contre. Ah, bon bah, je vous pose tout de suite, alors. On va au camp, et puis on va vous laisser, je pense. Ouais, ouais. On va trouver le camp, par contre. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ah ouais, ouais. Ça veut dire l'infini contre les murs, poink.
Wink. Non mais est-ce que tu sais au moins par où passer? Bah non. C'est pas en bas à gauche là, rien. Hop. Oui voilà. Et voilà. Oh. C'est Ciso. Ciso, c'est le titan. C'est l'heure de notre contact régulier. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? 2B here. What's wrong? Pourquoi j'ai deux quêtes? Oh la vache, mais c'est la première fois qu'on voit un monstre. Il m'a défoncé! Oh, c'est trop mignon, t'entends ce qu'elle. Ah non, là je suis en train de me faire un sanglier de la mort quoi! Bah, apparemment, elle a demandé à. Ouh la vache, vite. L'interlocutrice avec qui elle parle, elle a demandé à une personne de sortir avec elle et l'a refusé. Oh, pauvre petite poupoune. Tiens, moi je te mets de la lance dans les fesses. Enfin, je tue des facochères, mais des robots, j'arrive même pas à les. Oh, c'est dégoûtant. Pardon. Je peux pêcher sur toi? Ouais. Bon, allez. Elle a parcouru. Ah, pour ceux qui veulent continuer à regarder du Nier, je lance mon stream. Ouais, Kino. Très bien, mon Kino. Alors attends, je voudrais juste vérifier que je vais bien au camp et pas genre à autre chose. Ouais, non, c'est bon. C'est ça. Et effectivement, oui. Et bah, ce jeu est pas mal du tout. Hein. Pour l'instant, on est à quoi? On est à 3 heures de jeu. Je compte pas la première heure de la démo parce qu'elle compte pas pour moi. Franchement, ça donne envie d'y revenir. Et cette répétition me plaît finalement. Bah, je pense, en fait, on avait annoncé un jeu répétitif. Moi, c'est pas répétitif en fait. Ça ne l'est pas parce que le... C'est du Bayonetta, c'est juste. Il faut se faire de l'XP donc pas de problème. Et surtout qu'ils sont trop mignons. C'est-à-dire que le fait de pas vouloir tuer des robots et que tu dois les tuer quand même, je trouve que ça ajoute du sel. Ouais, je vais arrêter d'en tuer. À notre petite. Escapade, oui, effectivement. Je vais arrêter d'en tuer. Je suis sûr que si t'en tues moins de sang dans le jeu, ça fait une fin. En mode genre, vous aimez les robots. En fait, c'est comme Undertale, t'as une route où il faut tuer personne. Alors, Undertale, j'ai jamais joué parce que j'ai un ordinateur qui est vraiment du pipi. Mais j'ai regardé beaucoup de gens y jouer et à chaque fois, je me suis dit, mais j'ai tellement envie d'y jouer. Eh ouais, avec des musiques de folie et tout. Hop, sauvegardons avec la boîte noire. Dans les toilettes, donc, comme dit Pico. Ah et bah les gens, allons écouter cette musique de combat qui va nous... Pio, je suis crevée. Ah, j'ai lancé un truc. Je voulais pas. Est-ce qu'on va voir la musique de combat? Non. J'ai pas l'impression. Non, bon bah, c'est du bon fail, encore une fois. Vive les règles. Oh non, mais Pico... T'as dit quoi? Il dit plus de sang et vive les règles. Sang étant pas. Hop, hop. Parce que celle-ci c'était la meilleure quand même. Hop, hop, hop. Bon bah les gens, voilà. Blague à part, le gangbang de Marine Le Pen, Emma qui mange un kebab, c'est quand même mieux que la politique. Votez pour moi. Voilà, c'est ça. Et alors, ah ouais, j'ai une question à vous poser avant qu'on s'arrête. Si vous avez regardé un peu le débat, vous avez vu que notre très chère Marine Le Pen a une petite rose bleue, comme ses compatriotes qui sont juste derrière elle. Mélenchon a son petit triangle rouge, tout le monde a un petit pins. Savez-vous ce que ça veut dire? Illuminati, Illuminati. Savez-vous pourquoi ils ont des trucs comme ça? Si vous savez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, et en tout cas... Si vous savez pas, ou que vous savez, peu importe, vous pourrez retrouver demain Pico pour le Pico & Co, justement, à partir de 18h, si je me trompe pas. Sur quel jeu? Sur Nier aussi. Hey, eh ouais, ça va. Est-ce que je laisse Nier. Le jeu ici, donc non, c'est bon, je pense que Amola, c'est bon. Le mercredi, il y aura un invité. Pico, pas mal. Ah, j'aime ça, Pico. C'est pour pas les enfants. Vous êtes chance. Vous êtes chance ce soir. C'est ça. Et jeudi, oui, donc mercredi, il y aura un stream invité
par contre sur le face, sur Facebook, sur, donc sur notre page Facebook. Donc likez notre page Facebook si c'est pas fait. Hyperlink sur Radio VL. Sinon on vous retrouvera et on vous pètera les genoux. Exactement. Et prout dans la bouche. Exactement. Donc Hyperlink sur Radio VL. Jeudi, vous pouvez nous retrouver pour le stream du retour de jeudi. Le retour du jeudi, c'est tout simplement un stream rétro avec Karel et Titouan. Donc là, ça sera 19h, 20h30, voire 21h, ça dépend. Et ensuite, vous pouvez nous retrouver sinon en général sur les streams, notamment voilà, vendredi, samedi et dimanche. Il y a un before, toujours avant l'émission, et, qu'on diffuse à 15h. Donc c'est 15h-17h. Et donc n'oubliez pas de vous de liker la, notre page Facebook Hyperlink sur Radio VL, Twitter Hyperlink _ Radio VL et Twitch pareil _ Radio VL. Merci de nous follow. Merci Emma, magnifique stream. Magnifique, magnifique soirée avec vous. On a fait des boss merveilleux. Il était tellement beau le boss du théâtre. C'est incroyable. C'était vraiment un bon jeu. Ouais. Et on y retournera, ouais, ça c'est sûr. On va y rejouer. On va y rejouer, c'est sûr. Bah merci beaucoup pour ce soir. Merci Hyperlink. Merci vous. Merci les gens. Vous êtes jolis et vous écrivez des trucs rigolos.